Allez, 18h, merci de rejoindre vos places. Alors, nous avons quelques absents. Jean-Marc Amboise qui a donné pouvoir à Christian Dupuis, Marcel Augier à Guy Lafay, Hervé Daval qui est en retard seulement à David Dezans en attendant, Jean-Marc Detour, je ne sais pas à qui, Christian d'Orange à Marie-Yvonne Lougraieb, Catherine Dufossé à Catherine Brun, Annie Géranton à Jean-Luc Mardeuil, Patricia Goutorbe à son suppléant Jean-Paul Bourlière, Quentin Guillermin à Romain Bost, Fabien Lambert à Jade Petit, Hélène Lapalu à Gilles Passot, Didier Prunet à Laurence Boyer, Vicky Redeuil à Jean-Jacques Banchet, Sophie Rodkoff à Clotilde Robin, Jean Smith est absent, Isabelle Valcourt est en retard, et en attendant, elle est là ? Ah bon, donc elle n'est pas en retard. Donc Franck Beaupetit n'aura pas besoin de prendre votre pouvoir. Je vous informe que Sébastien Lassaigne, ancien maire de Villemontais, conseiller communautaire, m'a adressé un courrier le 25 novembre 2022 pour m'informer de sa démission du conseil communautaire. De ce fait, Sébastien Lassaigne n'est plus conseiller communautaire. Madame Travard, qui devait le remplacer dans ses fonctions, m'a également adressé sa démission. C'est donc Madame Marie-Françoise Gaume qui arrive. Madame Gaume, bonsoir. Maire de la commune, on peut l'applaudir, qui devient ainsi conseillère communautaire et son suppléant restera Pascal Néron. Merci, félicitations, bienvenue. Donc il convenait de procéder à son installation, c'est chose faite, au sein du conseil communautaire qui compte désormais 83, enfin désormais, toujours, 83 membres en exercice. Je me dois de désigner un secrétaire de séance. Parmi les membres du bureau, il s'agira d'Alain Rossetti ce soir. Alors, je ne sais pas dans l'ordre. Nous avons approuvé le procès-verbal de la séance du 24 novembre dernier. Appelle-t-il des observations particulières ? Non. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre pour l'approuver ? Les abstentions, je vous remercie. La première délibération, ce n'est pas une délibération, c'est une information, c'est le compte-rendu des pouvoirs délégués au président et au bureau. Nous n'avons pas reçu de questions particulières, donc je considère que vous avez été éclairé. Le deuxième rapport, c'est en fait une décision, une délibération. Ah pardon, Madame Riamont. Oui. Si vous avez bonne mémoire, et je sais que vous avez bonne mémoire, oui. On s'était un petit peu, comment dire, inquiété ou étonné de cet équipement qui ne nous semblait pas très efficace. Il l'est pourtant. Voilà, alors peut-être qu'il y a une raison pourquoi vous l'avez cédé et à qui en fait ? Alors, il est cédé à la ville de Roanne parce qu'il est sur le territoire de la ville de Roanne, qu'il éclaire, qu'il permet l'éclairement de quelques candélabres, pas tous, mais quelques-uns, et que la maintenance était déjà faite par la ville, et qu'aujourd'hui, il convenait de le céder plutôt à la ville de Roanne pour qu'elle entretienne cet arbre avant magnifique. Ah, ça, il est joli. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques infos sur les performances de ce soir, non. Non, mais... mais on va demander au directeur général de s'enquérir de cela et de vous transmettre à tous les informations sur le nombre de pales, la production, le coût d'acquisition, le coût d'entretien, le prix de cession, vous le connaissez. Mais bien évidemment, question posée, réponse sera apportée. Donc, le rapport numéro 2 concerne une décision, une délibération pour risque contentieux et dotation de provisions. C'est Jacques Troncy qui va aborder ce sujet.
Merci. Des questions ? Je soumets à votre approbation. Des votes contre ? Des abstentions ? Deux abstentions, merci. Nous allons parler donc du vote des taux de notre taxe d'habitation, pour ce qu'il en reste, ainsi que des taxes foncières. Toujours Jacques Troncy. Merci. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Deux. On va parler maintenant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour le taux 2023. Jacques ? Ce taux unique. Parfait. Question. Vote négatif. Abstention. 2. La taxe pour la gestion des milieux aquatiques pour 2023. Donc là aussi, le produit de cette taxe, il faut le rappeler, donc doit être arrêté avec une limite qui est appliquée, donc une limite plafond fixée à 40 euros par habitant et par an, et donc en étant au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI par le PCI. Et donc là aussi, il est proposé, alors on ne vote pas un taux, mais on vote un produit attendu, et ce sont les services qui calculent après la perception de ce montant. Donc de reconduire pour l'exercice 2023 c'est le produit attendu de cette taxe à hauteur d'€1 million, comme c'était le cas pour l'exercice qui s'achève pour 2022. Oui, monsieur Besson. Attendez, on va vous apporter un mic. Ah ben vous en avez un. Ah ben, je ne sais pas si ça a été... C'est une intuition. Une grosse intuition. Bonsoir tout le monde. Sur cette délibération, deux questions, des questions qu'on avait posées, qu'on avait déjà évoquées l'année dernière. Est-ce que c'est possible d'avoir, en ce qui concerne le million d'euros dépensés, on est peut-être passé à côté, mais c'est pas une information en tout cas qu'on a repérée, le bilan de l'ensemble des actions mises en place sur ce million d'euros. Voilà, c'est quelque chose qu'on souhaiterait. Et la deuxième question qu'on avait posée l'année dernière aussi, parce qu'on se questionnait justement par rapport à la pertinence de ce million d'euros, en tout cas de la capacité maximale qui est possible, de savoir ce que représentait cette taxe au regard de l'assiette d'imposition locale. Vous savez, la discussion entre le 0,01 euro ou le 0,01% ou 1%. On voulait savoir dans quelle tranche on se situait. Et l'année dernière, vous nous avez dit que vous n'aviez pas l'information. On voulait savoir si cette fois vous l'aviez. Pardon. Bonsoir tout le monde. Alors, sur ce million d'euros, il est réparti donc entre deux compétences, hein, GEMA, milieu aquatique, et PI, donc prévention inondation. GEMA, ben, c'est la continuité hein, de ce que l'on fait sur les deux versants, versant de Renaison et versant du Rhin. C'est à peu près 540 000 euros hein, qui sont pris ben, pour continuer les deux contrats territoriaux que nous avons. Et sur le reste, hein, donc un peu plus de 400 000 euros, donc c'est sur PI. Donc là, vous savez qu'on a un gros travail sur les digues domaniales parce qu'on va les récupérer le 1er janvier 2024. Donc il y a un gros travail qui est fait actuellement pour les remises à niveau. Et nous espérons aussi pouvoir travailler un petit peu sur le pluvial.
Parce que vous savez que le pluvial dans des gros problèmes, enfin des soucis de financement, et ben, ça va nous permettre en fait, en effet, de pouvoir travailler un petit peu, de faire des actions sur le pluvial avec cette taxe. Alors on va en mettre un petit peu de côté, parce que on sait que avec ce million d'euros et ces 400 et quelques mille euros pour pire, on va pas aller loin. Je rappelle, sur l'axe Loire, il nous faudrait à peu près 350 millions d'euros pour mettre nos digues à peu près à niveau. Hein. D'ailleurs, hier, j'étais avec la préfète de bassin pour réclamer ces 350 millions réactualisés, hein, parce que c'était 350 millions il y a 3 ans, donc autant vous dire qu'on peut en rajouter un petit peu. Elle nous a dit qu'elle faisait un gros travail avec Bercy pour essayer de récupérer un peu d'argent. Donc voilà, donc on a besoin de cet argent. Et d'autant plus qu'elle nous a dit que pour les digues non domaniales, et on en a, pour l'instant, il n'y a pas de financement. Donc là, ça veut dire que ça sera nous, avec la taxe, qu'il va falloir payer ça. Donc on est un petit peu inquiet, donc c'est pour ça qu'on travaille dessus, on travaille avec l'État, avec la DDT. Ça se passe moyennement pour l'instant, hein, parce qu'entre la DDT et la DREAL, c'est pas simple. Donc voilà, donc on aura bien besoin de cet argent. Il va être, je vous rassure, dépensé à bon escient, sous contrôle, de Rouen et Agglo, hein. Donc je rappelle, vous avez confié cette compétence à Rouen et Agglo, mais chaque euro dépensé, bien sûr, est validé par Rouen et Agglo, et c'est tout à fait normal. Voilà, donc on travaille dessus sérieusement. Je n'ai pas ici le document qui retrace le mode de calcul par les services fiscaux pour arriver au produit. Enfin, c'est un document qu'on pourra avoir. Ce sont eux qui le font. Encore une fois, nous, on ne se prononce que sur le produit attendu du million d'euros. Donc ça veut dire, M. Trancy, que vous pourrez nous passer l'assiette quand les services seront regardés. Ok, super. Et en ce qui concerne le bilan des travaux, si je comprends bien, M. Fréchet, on le trouve dans le bilan annuel de la Rouennaise, du coup, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Et en ce qui concerne les 350 millions, la demande que vous avez faite à la préfète, du coup, vous avez y a un horizon de savoir si on va recevoir cet argent, parce que... Alors, oui. Alors, de toute façon, c'est 2024. Hein. Alors, il y a deux points. Il y a un accord qui a été pris, qu'on devait, nous, alors quand je dis nous, c'est l'ensemble du linéaire de la Loire, hein, nous transmettre les digues en bon état. Donc, avec des travaux qui étaient prévus. On sait que ces travaux ne seront pas faits parce que l'État ne peut pas les faire parce que le temps est trop court, a pris du retard. Donc on va discuter pour voir comment on fait. Est-ce qu'ils nous donnent l'argent? Pareil, il faut réactualiser avec les travaux parce que les millions qui manquent il y a 2 ans, ce n'est pas les mêmes que maintenant. Et il y a même certains collègues, parce qu'on était plusieurs hier, qui parlent de contentieux. Donc c'est un dossier quand même qui est très impactant. Nous, sur le Rouennais, ça va encore, on maîtrise bien, mais il y a des endroits, en plus des petites comcom, qui ont des kilomètres de digues, qui eux ne savent pas du tout comment ils vont faire. Donc c'est vrai que cette compétence qui a été transférée aux EPCI, c'est vrai que ça pose énormément de problèmes. Alors on a créé un projet d'aménagement commun au niveau de l'EPL, hein, que je préside, mais bon, on aura une vision globale du fleuve, donc ça va nous permettre de mettre des priorités, mais sans argent on pourra pas, hein. On n'a pas l'argent pour ça, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est un dossier qui va bien nous impacter, bien nous occuper en 2023. Et je rappelle que 1er janvier 2024, alors avec des gros problèmes de responsabilité, hein, parce que le 2 janvier 2024, il y a une crue, on ne va pas faire le catastrophique, mais il suffit qu'il y ait des morts, qui est responsable si l'État n'a pas fait avant. Voilà, il y a encore plein de questions à répondre qu'on n'a pas. Donc c'est pour ça qu'on a vu Madame la Préfète hier, qui, heureusement, c'est un dossier qu'elle connaît bien. Hein, je rappelle, elle a travaillé sur l'eau, donc voilà, c'est, contrairement à d'autres préfets de bassins qui ne connaissent pas trop l'eau, elle a des compétences, donc on espère la garder encore un petit peu de temps et surtout d'avoir des réponses. C'est bon, merci. Donc je mets aux voix la fixation du produit de la taxe pour 2023, des oppositions, des abstentions, 2 abstentions, merci. Dans le cadre de l'attribution des fonds de concours d'investissement, il s'agit donc d'en verser à la commune de Saint-Léger-sur-Rouanne et Villemontet. Il s'agit de la neutralité fiscale, Jacques.
Donc effectivement, d'abord un concours en investissement donc au profit de la commune de Saint-Léger-sur-Ouanne à hauteur de 5 540 €. Et en ce qui concerne la commune de Villemontée, donc il est proposé au conseil communautaire de prendre en compte une correction du tableau de financement des projets de cette commune et de préciser que le fonds de concours de 11 517 € qui était attribué par la délibération précédente, je ne sais plus à quelle séance, est confirmé. Et donc ces fonds de concours correspondent bien à des dépenses d'investissement. Merci. Des questions ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Toujours la neutralité fiscale, mais cette fois-ci en fonctionnement pour Saint-Léger. Donc même dispositif au profit de la commune de Saint-Léger. Donc il est proposé au conseil communautaire d'attribuer un fonds de concours à hauteur de 15 970 €, qui correspond donc à des dépenses de fonctionnement. Même vote. Merci. On reste avec Jacques Troncy cette fois-ci pour les autorisations de programme et crédits de paiement. Donc il appartient au conseil communautaire d'approuver comme chaque année donc le tableau qui retrace l'ensemble de la situation donc de nos autorisations de programme et de nos crédits de paiement. Dans le tableau qui vous a été soumis, donc deux observations, deux modifications qui sont apportées sur ce tableau. D'abord, en ce qui concerne le plan local de l'habitat 2016-2021, il est proposé, et donc on en a la trace dans le tableau des APCP, donc de prolonger le plan local de l'habitat de 2 ans, donc pour une période de 2016 à 2023, ainsi que son règlement qui détermine le montant d'aide allouée et le délai de paiement des aides à 2 ans suivant leur engagement. Donc ça bouge à la fois la paie et les crédits de paiement. Et la deuxième modification concerne les fonds de concours dans le cadre du dispositif de neutralité fiscale en rappelant donc une partie des fonds de concours pour 2021 n'a été réglée en fait qu'en 2022, ce qui a nécessité une augmentation ponctuelle donc du crédit de paiement pour cet exercice 2022 et donc une modification de l'autorisation de programme en conséquence. Merci. Pas de questions. Je soumets à votre approbation, des votes contre, des abstentions. Nous passons au catalogue des tarifs pour 2023. Donc effectivement, vous avez été destinataire d'un document long, exhaustif, hein, qui retrace l'ensemble des tarifs et sous-tarifs et des catégories de tarifs publics qui sont en vigueur et appliqués par Rouennais Agglomération, au titre de ses différentes compétences. Donc une première observation, donc c'est une évolution de méthode. Il nous a paru judicieux, effectivement, de pouvoir formaliser dans un recueil unique et de pouvoir reprendre l'ensemble de ces tarifs pratiqués par notre agglomération, et que ce document soit adopté une fois par an de façon à avoir une lisibilité, une vision globale des activités qui sont tarifiées et des tarifs qui sont en vigueur, et éviter effectivement d'avoir une adoption de tous ces tarifs au gré des conseils communautaires de l'année, et donc ce qui effectivement en réduit la visibilité, et de façon, avec cette méthode en évolution, de pouvoir avoir des garanties sur l'actualisation régulière de ces tarifs. Donc voilà, c'est une proposition de méthode. Alors, en ce qui concerne le catalogue qui comprend, sauf erreur de ma part, plus de 1300 tarifs ou catégories de tarifs, et donc qui remplace une trentaine de délibérations qui étaient prises, encore une fois, au gré et au fil de l'année. Peut-être quelques observations. Donc, c'est à peu près un tiers des tarifs qui sont proposés en actualisation pour cet exercice 2023 par rapport à 2022, avec des actualisations qui correspondent, alors pour certaines, à des actualisations annuelles récurrentes, qui revenait en application donc de conventions, par exemple, passées avec des partenaires. Je pense notamment aux prestations d'enfance, où on est dans le cadre d'application de conventions avec la CAF, par exemple, soit pour la location d'espaces et de remplacements, différents espaces sportifs, des emplacements, des salles, etc. Donc on est dans l'application qu'on avait chaque année d'une actualisation de ces tarifs. Une deuxième catégorie de justification, d'actualisation de certains tarifs, eh bien, c'est évidemment de faire évoluer la participation des usagers à l'augmentation des coûts supportés par la collectivité, et notamment quand il y a un effet évidemment d'ores et déjà mesurable d'augmentation du coût des fluides, par exemple, qui augmente évidemment des coûts de fonctionnement de ces équipements. Donc c'est ce qu'on retrouve pour la piscine, pour la patinoire, pour un certain nombre d'équipements, sur l'aire d'accueil des gens du voyage aussi, par exemple.
Il y a aussi l'application ou l'impact de notre méthode de calcul des coûts complets, donc avec une quantification des temps d'agents de l'agglomération sur différentes prestations. Et donc là aussi, une justification de faire évoluer ces tarifs, puisqu'il y a une évolution de ces coûts d'intervention et de prestations. Et puis aussi, pour d'autres catégories de tarifs, donc la prise en compte d'études sectorielles spécifiques permettant de comparer les tarifs pratiqués par l'agglomération avec d'autres collectivités. Encore une fois, le fait d'avoir cette vision transversale et exhaustive de nos tarifs permet effectivement de faire des comparaisons et de pouvoir faire évoluer certains tarifs de ce point de vue-là. Et on note enfin aussi quelques créations de tarifs qui correspondent à des nouveaux services, par exemple la mise à disposition du personnel technique pour la régie d'une restitution artistique au conservatoire, l'accueil de groupes par demi-journée au Grand Mursin, la location de vélos à assistance. Donc là, ce sont des prestations ou des interventions nouvelles de l'agglomération et qui donnent lieu donc à la mise en place de tarifs. Donc voilà ce que je pouvais dire de façon synthétique, en tout cas en mettant l'accent sur quelques catégories d'actualisation de tarifs, soit conventionnels, soit liées à l'augmentation de nos coûts, soit de tarifs ou de prestations qui sont nouvelles. Merci. Des questions, Monsieur Besson? Oui, bah effectivement, il y a quelques centaines de tarifs et difficile d'en faire le tour. Nous, c'est ce qui va motiver un vote d'abstention parce qu'on ne peut pas regarder tout ça dans le détail et voilà, vous allez faire ces arbitrages-là de votre côté. On a simplement, par contre, une proposition. On a regardé au niveau des tarifs de la piscine, au niveau des entrées. Et il y a donc le tarif adulte, il y a des tarifs étudiants moins chers. Le tarif est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, mais à partir de 5 ans, c'est le même tarif que les adultes. Ça pouvait nous sembler intéressant d'envisager pour les jeunes, je ne sais pas, dans la tranche 5-12 ans par exemple, ou 5, je ne sais pas combien, un tarif intermédiaire qui serait de l'ordre du tarif étudiant peut-être. Et on voulait savoir si c'est quelque chose qui vous semble envisageable. Tout est possible, tout est envisageable. La difficulté après, c'est qu'il faut demander la carte d'identité pour avoir la date de naissance, vérifier. Donc, je veux dire, c'est aussi une contrainte aux caisses. Une fois qu'on l'a décidé, si on dit en dessous de 5 ans, c'est 2 euros, entre 5 et 12 ans, c'est 3 euros, etc. Je veux dire, ça oblige quand même à une manipulation pour les agents des caisses et les gens n'auront pas forcément sur eux la carte d'identité. Donc, c'est pas simple. En précision, qu'en dessous de 5 ans, il y a déjà la gratuité. Donc, oui, ce oui. Principe de contrôle de l'âge, il est déjà présent. Mais 5 ans, on voit quand même à quoi ça ressemble, un enfant de 5 ans. Après, oui, mais bon, 6 ans, voilà. Oui, je suis d'accord. Mais bon. Non, mais voilà, j'entends qu'effectivement, un enfant de 5 ans, pourquoi? Parce qu'il est, on dit, accompagné d'un adulte. Après, vous pouvez avoir des enfants au-delà qui viennent seuls. Et après, il faut demander la pièce d'identité. Donc, c'est compliqué. Moi, je veux bien qu'on regarde. Ce soir, je vous propose de... Alors, d'abord, il faut savoir que les tarifs de la piscine, là, c'est 2023, mais ça s'applique en septembre. D'accord. Ça laisse un temps pour ajuster. Parce qu'on a un tarif aujourd'hui qui est pour le tarif plein à 3,50 € qui a été décidé et qui est valable jusqu'en septembre. Et 4 euros, ça sera à partir du mois de septembre. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu que les services puissent mouliner le truc, voir avec les agents de caisse qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis, on peut en reparler donc, lorsqu'on aura l'information, puisqu'on aura le temps de le modifier uniquement sur ce tarif-là d'ici le mois de septembre à ce moment-là. Okay. Très bien, merci. D'autres questions? Je soumets à votre... Alors, si je vais quand même vous donner quelques éléments, parce que c'est vrai que c'est le tarif qui va le plus sauter aux yeux, puisqu'on passe de 3,50 € à 4 euros. Il faut quand même savoir qu'à Feur, on est à 4,60 €, à Montbrison 4,35 €, à Vichy 4,30 €, à Saint-Étienne 4,25 €, à Montluçon 4,30 €, à Moulins 4,20 €. Donc on reste quand même dans la fourchette basse donc de ce qui se pratique dans le secteur donc, environnant. D'autres questions? Non. Je procède au vote. Des votes contre? Des abstentions? Abstention 4. Merci. Je vous propose maintenant de passer à la délibération numéro 10, toujours avec Jacques Troncy, concernant l'abrogation du reversement de 1% de la taxe d'aménagement. On va vous expliquer pourquoi.
Donc assez rapidement, je rappelle que la loi de finances de 2022 avait posé le principe d'une obligation pour les communes de reverser tout ou partie de leur taxe d'aménagement à l'agglomération, avec le raisonnement consistant à dire que le PCI développant soit directement, soit indirectement des politiques d'aménagement, d'attractivité, de mise en valeur du territoire, il y avait une justification à ce qu'une partie des taxes d'aménagement perçues au niveau communal reviennent à l'EPCI. Alors je reprends très brièvement le fait que ça avait donné lieu alors d'abord à des études assez conséquentes tout au long de l'été pour bien mesurer quels étaient les montants en question sur plusieurs exercices, puisque ça, il y a des variations relativement fortes d'un exercice à l'autre. Et puis des discussions et une concertation au sein de la conférence des maires qui avait abouti donc à une proposition d'un reversement à hauteur de 1%. Et donc c'est la délibération que nous avions prise à notre dernier conseil communautaire. Et alors même où nous nous réunissions ici, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d'accord pour mettre fin à ce dispositif, en tout cas à son caractère obligatoire. Il reste potentiellement à la disposition des communes et des EPCI qui tomberaient d'accord pour l'appliquer, mais en tout cas son caractère obligatoire a été supprimé donc par le Parlement. Donc il nous revient évidemment juridiquement de pouvoir rapporter, abroger notre délibération du 24 novembre qui a approuvé le reversement à hauteur de 1% du produit annuel de la part communale de taxe d'aménagement donc perçue par les communes en profit de l'EPCI, et évidemment que les communes qui avaient déjà délibéré ou qui ont délibéré le lendemain ou le surlendemain sont évidemment invitées également à revenir sur leur délibération. En rappelant néanmoins, puisque Rouennais Agglomération, depuis 2015, appliquait un dispositif alors pour les secteurs principalement aménagés à vocation économique par Rouennais Agglomération, le système de reversement là, de 100% de la part communale correspondant à ces zones d'activité économique reste évidemment en vigueur dans les mêmes conditions, donc entre les communes et l'agglomération. Merci. Donc nous avons tenu une conférence des maires et à l'unanimité des maires, il a été proposé donc de supprimer, donc de délibérer comme ce soir. Monsieur Besson. Juste pour préciser, monsieur Trancy, c'est un dossier que je connais pas bien. Ce dont vous avez parlé depuis 2015, donc c'est uniquement le reversement de 100% pour les zones d'activité économique, ce qui fait que sur la taxe d'aménagement, pour l'instant, il n'y a aucune commune. Enfin, la règle de 2015, c'est uniquement ça ou il y a d'autres choses dans cette règle de 2015? Non, c'est uniquement les quelques communes de Rouen et de la périphérie rouennaise qui ont des zones d'activité économique développées par Rouennais Agglomération et donc qui reversent cette part de leur taxe d'aménagement correspondant à ces zones. Alors, sinon, c'est zéro. Mais il n'y a pas d'autres communes pour les autres, aucun dispositif. Ça aurait été la première année où le 1% se serait appliqué. Et donc, avant même qu'il soit appliqué, on y met fin. Merci. Merci. Je soumets donc à votre approbation des votes contre, des abstentions. Merci. Eh bien, nous allons passer donc maintenant à l'examen et au vote du budget primitif 2023. Avant que Jacques vous donne les éléments plus en détail, simplement vous rappeler donc qu'il est tout à fait conforme donc au débat d'orientation budgétaire que nous avons eu le mois dernier. Nos priorités donc restent les mêmes, à savoir le soutien de l'emploi et du tissu économique, la poursuite de la transition énergétique, la modernisation de la collecte de nos déchets et favoriser l'attractivité du territoire. Vous vous en doutez, puisque vous êtes tous élus communaux, nous faisons face les uns les autres à des difficultés donc financières, et nous aurons donc financières d'inflation, de tarifs, d'hausse de l'énergie, et tout cela va se traduire concrètement par une hausse de 7 millions d'euros de nos dépenses de fonctionnement, soit une augmentation de 8,1% par rapport au budget 2022. C'est colossal, mais fort heureusement, le dynamisme économique de notre agglomération et notre politique active en matière de recherche de subventions viennent atténuer cette hausse avec des recettes qui seront, elles, en augmentation de 7,4 millions d'euros. La section d'investissement est également en légère hausse de 800 000 euros et elle se montrait à 31,7 millions d'euros, soit plus de 2,6% par rapport à 2022. Et c'est assez logique puisque 2023 sera l'année de la concrétisation de plusieurs projets engagés de longue date. Par concrétisation, je veux parler par exemple
de la flotte de bus urbains, puisque nous allons recevoir nos 9 premiers bus électriques. Donc un investissement de 3,2 millions est inscrit pour 2023. C'est aussi, dans le cadre de la transition énergétique, la mise en service du parc éolien des Noé à l'automne, tout comme celle du méthaniseur, même s'il ne fait pas l'objet donc, de dépenses particulières de l'agglomération, à la fin de cette année. Mais en tout cas, le parc éolien, lui, est en chantier, les factures sont à régler, et par conséquent, c'est une dépense importante également qui est programmée dans ce budget. La façade aussi du bâtiment helvétique sera, c'est une information aussi, également isolée, végétalisée et modernisée. C'est un chantier qui est évalué aux entours de 700 000 euros pour lequel nous allons pouvoir prétendre à des aides de l'ADEME et également un soutien donc, de la Banque des Territoires qui nous propose donc un financement particulièrement avantageux. Reste aussi à discuter avec le reste de la copropriété, en particulier M. le Président de la Rouennaise de l'Eau, mais qui est un allié dans cette affaire. Et donc les autres, je pense à McDonald's et je pense aussi donc aux propriétaires des locaux de la Caisse d'épargne, puisqu'ils sont également concernés. 2,4 millions d'euros sont également inscrits dans le cadre de la réforme de la collecte des ordures ménagères, avec la mise en place de la collecte en porte-à-porte pour l'ensemble des déchets, à l'exception du verre. Et nous aurons aussi, donc, entre la déviation de la route d'aéroport et une obligation de réfection de la piste de ce dernier, donc une inscription budgétaire importante. Au-delà, de ces concrétisations, nous poursuivons nos études et réflexions sur le parc agroculinaire, pour lequel nous inscrivons 1,1 million d'euros, le centre aqualudique, 1,9 million inscrits, l'amélioration de l'habitat, 1 million, et puis l'implantation d'entreprises, c'est-à-dire des investissements sur nos zones d'activité pour 4,6 millions d'euros, et également le développement des énergies renouvelables pour 700 000 euros. Donc, avant de laisser à Jacques Troncy le soin de présenter plus en détail ce budget, je vous rappelle qu'en matière de fonctionnement, après les dépenses de personnel qui se montent à 22,2 millions d'euros, le principal poste de dépenses, c'est-à-dire 18 millions d'euros, est celui du versement de l'attribution de compensation à vos communes. Et ces dépenses constituent elles seules près de 50% de l'ensemble de nos dépenses de fonctionnement. Globalement, le budget de l'agglomération est en hausse et tout budget confondu, il s'établit en recettes comme en dépenses à près de 130 millions d'euros contre 121,5 en 2022. Jacques, je vous laisse le soin de compléter. Merci, Monsieur le Président. Et nous avons ce soir un diaporama, donc ça aidera effectivement à la compréhension et à l'appréhension des chiffres caractéristiques de ce projet de budget primitif pour 2023. Donc juste en préambule de cette présentation synthétique et dans le prolongement évidemment direct et logique des propos du président, donc je voudrais revenir simplement effectivement sur quelques éléments de contexte et de caractéristiques de cet exercice, encore une fois élaboré dans un contexte macroéconomique tendu, avec la trajectoire de l'inflation, une DGF qui reste sur une tendance à la baisse, et puis un certain nombre de mesures intervenues en 2022 sur la fonction publique territoriale et les rémunérations, qui évidemment sont des éléments qui pèsent de tout leur poids pour la préparation de cet exercice 2023. Et encore une fois, comme le rappelait le président, heureusement, des points d'appui qui restent robustes pour la collectivité, et donc qui résultent de la gestion de Rouennais Agglomération au cours des exercices précédents et qui permettent donc la construction d'un projet de budget qui vous est présenté ce soir avec une prospective qui reste prudente, raisonnable sur bien des points, mais néanmoins dynamique et volontariste, et notamment sur le maintien et la poursuite d'une politique d'investissement qui est ambitieuse. Donc des points d'appui robustes, je pense en particulier donc au niveau d'endettement qu'on avait mis en lumière dans le débat d'orientation budgétaire, une dynamique encore en vigueur des produits de la fiscalité, et puis des niveau d'épargne qui reste à un niveau substantiel et qui nous permet d'assurer la trajectoire de financement de notre PPI sur le mandat dans des conditions donc de financement qui sont saines.
Quelques mots, évidemment, pour remettre ce budget en perspective, car c'est l'outil du développement et de la conduite d'un certain nombre de politiques publiques et de priorités de l'agglomération. Donc, vous en avez le rappel sur l'écran. Donc, pour un territoire qui soit attractif et pour une économie qui soit dynamique, et c'est l'ensemble des mesures qu'on retrouve en matière de soutien de l'emploi et de soutien du tissu économique, aussi bien en termes d'accompagnement des entreprises, de développement de la formation et de l'enseignement supérieur, du développement de nos réserves et de nos capacités foncières et immobilières au profit des entreprises. Et puis l'ensemble de l'offre de services publics de qualité, d'équipements, de prestations, de tout ce qui concourt au cadre de vie, d'un cadre de vie de qualité et donc de l'attractivité d'un territoire. C'est la première grande série d'orientations stratégiques de l'agglomération. La deuxième série d'objectifs stratégiques tient à un territoire qui relève donc les défis de l'environnement et de la transition écologique et énergétique, et on y retrouve donc la poursuite des actions de l'agglomération en matière de transition avec la production d'énergie décarbonée locale. La transition et l'année 2023 sera un exercice très opérationnel à ce sujet, donc la transition de la flotte de bus vers l'électrique, la modernisation de la collecte des déchets, l'autre grand chantier de l'agglomération pour cette année 2023 avec l'encouragement du tri, du recyclage, du compostage et la valorisation des déchets. Donc voilà en termes de rappel du contexte, des objectifs et de ce à quoi est destiné ce budget. Donc je vous propose de commencer d'abord dans une première partie le partage d'un certain nombre d'éléments et de points de repère sur l'ensemble des budgets consolidés de l'agglomération. Donc dans une synthèse générale, donc vous voyez apparaître le total des investissements et de fonctionnement hors emprunt d'équilibre, donc à 172 400 000 euros en dépenses et 157 400 000 en recettes. Et donc avec l'affichage dans ce budget, c'est le chiffre que nous avions déjà présenté la fois dernière dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, donc d'un emprunt d'équilibre affiché à hauteur de 15 millions d'euros. Il était à 13 200 000 euros dans le budget primitif 2022, en rappelant et en y insistant beaucoup qu'il s'agit effectivement d'un affichage d'un besoin d'emprunt d'équilibre qui ne se matérialise évidemment pas à cette hauteur en fin d'exercice, puisque pour l'exercice 2022, par exemple, nous nous sommes contentés en fin d'année de mobiliser 3 millions d'euros pour le financement de la flotte de bus passant à l'électricité. Et comme je l'avais dit lors de notre dernière séance, les résultats de l'exercice 2022, dont on commence maintenant à avoir une bonne connaissance, une bonne approche, et qui sont évidemment intégrés dans notre décision modificative un petit peu avant l'été, au mois de mai ou au mois de juin, permettront évidemment de largement diminuer ce besoin d'emprunt d'équilibre, donc de 15 millions d'euros. Si on fait le focus plus particulièrement sur les opérations réelles, c'est le chiffre qui était indiqué par le président, on a donc un budget qui se présente en équilibre à 129 300 000 euros. Il était de 121 500 000 euros pour l'exercice 2022. Et donc avec pour l'investissement 35 millions 100 pour les dépenses, 24 800 000 pour les recettes, avec plus particulièrement donc des dépenses d'investissement d'équipement à hauteur de 31 700 000 euros. Et en fonctionnement, des dépenses à hauteur de 94 200 000 euros pour 104 500 000 euros pour les recettes. Ce qui donne donc une projection d'un niveau d'épargne pour Rouennais Agglomération en 2023 pour l'épargne brute à hauteur de 10 300 000 euros. Je rappelle qu'au budget primitif 2022, ce niveau d'épargne brute était à 10 millions d'euros et un niveau d'épargne nette pour 2023 à 6 900 000. Il était affiché au budget primitif 2022 à 6 500 000 euros. On a donc des niveaux et des ratios d'épargne qui sont en progression par rapport au budget primitif de l'exercice précédent. Toujours donc dans cette vision de l'ensemble des budgets consolidés de l'agglomération, mais en les examinant par nature et donc avec cette présentation en histogramme, donc sur la partie recette, sur la partie gauche, donc on a de la fiscalité et des produits de fiscalité pour 37 600 000 euros. On était à 36 millions l'année dernière. D'autres recettes fiscales pour 26 200 000 euros. Des produits du service de 20 900 000 euros. On était à 17 millions l'année dernière.
J'ai dit que ce budget était bâti avec des prévisions raisonnables et modérées. Sur la DGF, nous ne nous attendons à aucune bonne nouvelle et donc on l'a reconduite à 11 700 000 euros. L'emprunt donc potentiellement d'équilibre affiché à 15 millions d'euros, nous en avons déjà parlé, et puis des subventions à hauteur de 18 millions d'euros. En ce qui concerne les dépenses, donc des charges à caractère général, et donc c'est là où on a la traduction complète en exercice complet des effets de l'inflation, donc pour 32 600 000 euros, on était à 29 millions l'année dernière, des charges de personnel nettes à 18 700 000 euros, elles étaient à 17 700 000 l'année dernière, là aussi on a l'effet en exercice plein des effets intervenus sur l'actualisation de l'indice de la fonction publique territoriale. Les AC et autres versements donc à 20 300 000 euros qui restent au même niveau, des programmes d'investissement pour 31 700 000 euros et puis de la gestion courante et autres charges pour 18 600 000 euros. Donc voilà pour cette présentation par nature. Si on présente avec un camembert ces opérations réelles, encore une fois, sur l'ensemble des budgets de l'agglomération, donc par grande politique publique, et donc c'est la répartition et la ventilation des 86 400 000 euros d'opérations réelles correspondant aux grandes politiques publiques menées et conduites par l'agglomération. On y retrouve, et c'est évidemment en écho avec les orientations stratégiques que je présentais au début de la présentation de mon intervention. Donc on retrouve le cycle de l'eau, l'assainissement, avec 17 930 000 euros, qui représentent 21% de ces opérations. On retrouve le développement économique pour plus de 15 millions d'euros et 17% des interventions et des politiques publiques de l'agglomération. La mobilité et donc notamment le chantier sur les transports publics et l'électrification de la flotte pour 14 360 000 euros. Et puis les déchets ménagers, donc le grand chantier de la réorganisation de la collecte pour 14 millions d'euros, et ce qui représente 17% donc de ces opérations réelles. Pour 43 millions de ces opérations réelles en dehors d'interventions publiques, on y retrouve, il faut le noter, donc les contributions de l'agglomération aux 10-42 pour 4 200 000 euros, qui augmentent de 2%. Donc les attributions de compensation versées aux communes, qui restent au même niveau, donc pratiquement à 18 millions d'euros. Des reversements au titre des dispositifs de péréquation, le FNGIR et le FPIC, pour 2 300 000 euros. Des services mutualisés pour 15 400 000 euros. Et donc le remboursement d'emprunt pour 3 200 000 euros. On a évoqué la dette, donc je vous propose voilà de prendre connaissance un peu de cette rétrospective et prospective de notre situation en matière de dette. Donc l'encours de la dette au 31 décembre 2022, tout budget consolidé, donc s'établira à 26 millions d'euros, donc un peu moins que ce que était cet encours de dette à la fin de l'année 2021, puisqu'il était à 26 300 000 euros. Et donc une projection pour l'exercice et la fin de l'exercice 2023, donc qui le ferait apparaître à 28 800 000 euros. On y retrouvera évidemment la mobilisation aussi qui se poursuivra, notamment pour le financement de l'électrification de la flotte de bus, et on retrouve sur la partie supérieure évidemment le besoin potentiel d'emprunt d'équilibre, donc à hauteur de 15 millions d'euros. Et donc vous voyez avec les couleurs la répartition de la mobilisation de cette dette sur les différentes publics, le budget général, le budget tourisme, les locations immobilières qui n'existent plus maintenant, les transports, les aménagements de zones, l'assainissement et donc l'emprunt d'équilibre dont je viens de parler. Donc encore une fois, une situation d'endettement qui reste très très modérée. Et encore une fois, les choix évidemment d'endettement qui ont été faits l'ont été suffisamment tôt cette année au moment où les taux étaient encore relativement intéressants. Donc il y a eu des décisions qui ont été plutôt anticipées de façon à pouvoir minimiser la trajectoire de hausse des intérêts bancaires, d'une part. Et d'autre part, évidemment, la politique de recours à l'emprunt est évidemment rapprochée de la politique d'investissement. Et évidemment, sur des grosses opérations, encore une fois, je prends l'exemple de l'électrification de la flotte de bus, il est évidemment relativement sain et judicieux et justifié de pouvoir mobiliser de l'emprunt, puisque quand on est sur un investissement
de cette importance et de cette inscription évidemment dans le temps de cette politique d'investissement et de modernisation de notre flotte de bus. Donc voilà en ce qui concerne le focus qu'on pouvait faire sur l'évolution de la dette. Je vous propose donc de venir maintenant dans une deuxième partie, donc plus particulièrement sur le budget général. Ça recoupe très largement évidemment les observations et les commentaires qu'on avait pu faire dans le rapport d'orientation budgétaire il y a un mois. Donc les quelques éléments à retenir, c'est l'augmentation des recettes fiscales de plus de 2 900 000 euros, donc du fait de la revalorisation des bases, de l'augmentation de la fraction de TVA qui viennent compenser la taxe d'habitation au vu de ce qu'on a pu enregistrer cette année, et donc de la dynamique nationale qui affecte encore positivement l'évolution de la TVA. Donc là aussi, on a pris des hypothèses plutôt, plutôt modérées de, d'actualisation des bases. La DGF, je n'y reviens pas, on anticipe plutôt une légère baisse de 166 000 euros. L'augmentation des produits et des services de gestion courante, 1 600 000 euros de plus, du fait de l'augmentation des prix de certaines matières premières, de refacturation, de mise à disposition et de l'augmentation de la fréquentation de certains équipements. Une augmentation des charges générales et courantes de plus de 3 millions d'euros, 3 300 000 euros. Et donc, comme on l'a déjà évoqué, c'est là, évidemment, qu'on retrouve l'impact de l'augmentation des prix des fluides, de la réorganisation de la collecte des déchets et donc de la poursuite de l'augmentation chaque année de la TGAP, de la participation aux SDIS. On l'a évoqué. En ce qui concerne la masse salariale, donc là aussi, les commentaires ont été faits sur les effets en année pleine de l'augmentation du point d'indice, de nouveaux postes, des mesures classiques de GVT. Et donc, on doit mettre néanmoins cette, cette somme donc en relation avec les recettes de masse salariale en augmentation de plus de 600 000 euros. Et donc, ce qui nous fait une masse salariale nette qui est en augmentation très exactement de 887 000 euros. Et donc, une augmentation de 5%. Ça nous est, je l'avais dit au moment du débat d'orientation budgétaire, ça nous rééloigne mécaniquement effectivement des objectifs qu'on s'était donnés initialement avant les mesures intervenues en 2022, malgré les efforts qui se sont poursuivis et qui se poursuivront évidemment d'une gestion optimisée, la plus rationnelle possible de l'affectation des moyens en personnel pour la conduite de nos politiques publiques. De la stabilité des atténuations de produits, en particulier des attributions de compensation, et des montants de dépenses d'équipement, donc à 11 700 000 euros, donc 3 millions de reports au titre de l'année 2022. Ce qu'il faut retenir donc de ce budget général, c'est que nous gardons une capacité donc de virement de la section de fonctionnement à l'investissement, donc de l'autofinancement à 150 000 euros, et des niveaux d'épargne, s'agissant du budget général, donc plus particulièrement, d'une épargne brute à 6 600 000 euros, elle était à 6 400 000 euros au budget primitif 2022, d'une épargne nette du budget général à 4 600 000 euros, elle était à 4 millions au budget primitif 2022, et donc une capacité de désendettement donc par rapport à notre politique de recours à l'emprunt qui, donc au 31 décembre 2023, devrait se situer à 3 ans. Si on regarde donc plus particulièrement les deux sections de ce budget général, en commençant par la section de fonctionnement, elle vous est donc présentée en équilibre à 83 838 000 euros. Et donc, c'est là qu'on retrouve ce qui a pu être dit donc de l'augmentation des charges générales et courantes, où on retrouve la collecte des déchets ménagers, la participation aux SDIS, les fluides et carburants, les subventions aux associations, les dépenses de personnel, et donc avec les montants nets de 18,3 millions, qui vous a déjà été présenté, les atténuations de projet pour 2023, le remboursement des intérêts de la dette, subvention aux différents budgets annexes pour 1 million d'euros. Donc ça, c'est la partie des dépenses réelles et en recettes réelles, donc les produits des services et de gestion et donc en particulier les recettes donc pour le personnel, les recettes d'utilisation des services, les loyers, les charges, les ventes de déchets triés, les recettes de services mutualisés, les impôts et taxes, donc à hauteur de 56 millions d'euros, c'était 53 millions d'euros au budget primitif 2022. Les dotations et subventions, participation et reçues pour 17 653 000 euros. Et donc, avec la prévision que nous faisons,
que nous faisons pour la DGF et un certain nombre donc, d'autres produits financiers de provision et de régularisation. Donc une section de fonctionnement, encore une fois, donc présentée en équilibre à 83 838 000 euros. Elle était à 79 300 000 euros au budget primitif 2022. Si on passe à la section d'investissement, elle vous est présentée donc en équilibre à 22 777 000 euros pour cet exercice, donc avec des dépenses d'équipement où on retrouve nos priorités qui ont déjà été évoquées et présentées par le président, donc les politiques et les réorganisations en matière de déchets ménagers, le centre aqualudique, le plan local de l'habitat, le parc agroculinaire, un certain nombre de travaux de maintenance sur nos bâtiments et installations, l'isolation du bâtiment helvétique et puis d'acquisition et de matériel et de différents logiciels informatiques. Le remboursement du capital de la dette pour 2 millions d'euros, des avances au budget annexe pour 5 361 000 euros. Et en recette, donc on retrouve un certain nombre de subventions d'investissement reçues pour différentes applications et au titre d'un certain nombre de conventionnements et de contrats avec nos partenaires, les dotations, le fonds de compensation de la TVA pour 1 397 000 euros, des cessions pour 713 000 euros et d'autres recettes donc d'investissement, des remboursements des avances et cautions. Et puis l'emprunt spécifiquement donc pour le budget général en attendant la reprise des résultats de 2022. Donc je ne reprends pas le commentaire que j'ai fait sur le fait que la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2023 permettra évidemment de réguler ce besoin d'emprunt. Donc voilà en ce qui concerne la section d'investissement du budget général. Donc je vous propose maintenant de passer dans une troisième partie à l'examen des différents budgets annexes de Rouennais Agglomération. Et le premier d'entre eux donc, concernant donc, le tourisme et les loisirs. Donc là aussi les éléments caractéristiques qu'on peut retenir sur cette prévision d'exercice 2023 dans ce domaine, donc concernant plus particulièrement l'aéroport, on va y retrouver l'augmentation évidemment du prix d'achat du carburant pour plus de 110 000 euros de taxes sur le carburant, mais aussi des recettes de vente de carburant qui du coup se valorisaient au coût complet à plus de 130 000 euros. Des augmentations de recettes en provenance de la DGAC pour alignement sur le réel constaté les années précédentes, des augmentations de charges de personnel, des augmentations des fluides hors carburant et puis de grosses opérations donc d'investissement, la réfection de la piste et le dévoiement d'une des routes périphériques à l'aéroport. Et en ce qui concerne le petit train donc dans le domaine du tourisme, augmentation là aussi évidemment qu'on va subir sur les fluides, sur le carburant, sur l'augmentation des charges de personnel, là aussi avec les effets d'évolution du point d'indice, la rémunération de la fonction publique, des recettes de billetterie, des réductions d'amortissement. Donc globalement pour ce budget tourisme et loisirs, donc une subvention d'équilibre de 565 000 euros, elle était de 600 000 euros au budget primitif 2022, donc se décomposant pour 424 000 en ce qui concerne l'aéroport et 141 000 euros en ce qui concerne le train et donc une avance du budget général de 4 535 000 euros. Et donc de façon plus détaillée pour ce budget tourisme et loisirs, il vous est présenté en section de fonctionnement donc en équilibre à 1 253 000 euros avec donc des dépenses réelles au titre de l'aéroport sur les charges générales et courantes correspondant aux formations, aux fluides, aux entretiens, aux charges de personnel, aux autres charges de fonctionnement et en recettes réelles de fonctionnement donc de ce budget tourisme et loisirs, donc des produits de revente de carburant, de subventions en provenance de la DGAC, de redevances, d'un certain nombre d'autres recettes, la subvention du budget général pour 425 000 euros et en ce qui concerne le petit train, donc des ventes de tickets et la subvention issue du budget général à hauteur de 141 000 euros. Et en ce qui concerne la section donc d'investissement, elle est présentée en équilibre à 4 890 000 euros. Et donc on retrouve en investissement, parce qu'il a déjà été évoqué là dans les caractéristiques du budget, la réfection de la piste, le dévoiement de la route, un certain nombre de travaux annexes, acquisitions, etc. En ce qui concerne le train, l'entretien de la voie, sa sécurisation, des travaux de sonorisation. Et puis donc en recette, une avance du budget général à hauteur de 4 500 000 euros. 535 000 euros.
Le deuxième budget annexe que je vous propose d'examiner, c'est celui concernant l'aménagement des zones et donc notamment correspondant à la compétence des interventions économiques de l'agglomération en matière de développement et d'équipement de territoire. Et donc 2023 sera évidemment consacré tout particulièrement donc à deux grosses opérations. L'extension de la zone de Valmy, sa viabilisation avec les frais annexes à hauteur de 3 400 000 euros. Et puis la fin de l'aménagement de la zone Pierre Sémard, avec donc des financements pour ces opérations, donc une avance du budget général de 826 000 euros et la mobilisation d'un emprunt à moyen terme de 3 millions d'euros en ce qui concerne notamment l'aménagement de la zone de Valmy, évidemment pour faire le tampon avec le délai que prendra l'attente des recettes issues de la commercialisation de cette zone. Et donc traduit en chiffres, donc ce budget des aménagements de zone fait apparaître donc une section de fonctionnement qui vous est présentée en équilibre à 15 304 000 euros avec des dépenses réelles de fonctionnement. Donc on retrouve l'extension de la zone de Valmy, la fin d'aménagement de Pierre Sémard, des coûts évidemment d'entretien des zones et puis des recettes réelles de fonctionnement, donc les reversements de la taxe d'aménagement provenant, on l'a évoqué tout à l'heure, et puis des cessions de terrain pour 122 000 euros. Et puis en section d'investissement, l'équilibre s'établit à 15 287 000 euros avec du remboursement de capital de la dette et des remboursements des avances du budget général, donc en dépenses réelles et en recettes réelles, donc l'emprunt dont j'ai déjà parlé et des avances du budget général sur l'ensemble des autres à hauteur de 826 000 euros. Le troisième budget annexe est celui du transport, je le disais tout à l'heure, hein, pour lequel l'exercice 2023 sera un exercice particulièrement actif en matière donc d'électrification des bus. Donc les points marquants tiendront évidemment à l'augmentation qui s'applique à la DSP, liée évidemment à l'augmentation du prix des carburants et des matières premières, avec 900 000 euros de plus par rapport à la prévision du budget 2022. L'augmentation du versement mobilité, plus 1 300 000 euros par rapport à l'année dernière. Et c'est évidemment les effets donc du passage au taux de 1% sur lequel vous vous êtes prononcé il y a quelques minutes. Et puis d'une façon générale, plutôt la bonne santé et encore le maintien d'une dynamique de l'activité et du tissu économique de notre territoire. Des augmentations de recettes provenant des usagers pour 100 000 euros de plus par rapport au budget de l'exercice qui se termine et qui est aussi en lien avec la reprise de l'activité post-crise sanitaire. Et puis, donc, en ce qui concerne les investissements et les dépenses, je l'ai déjà évoqué, donc l'acquisition des bus électriques et les travaux connexes à cette électrification pour plus de 3 millions d'euros prévus à ce budget des transports pour 2023. Ce qui fait donc un budget annexe transport qui est présenté pour la section de fonctionnement en équilibre à 11 758 000 euros et donc dans lequel on retrouvera en dépenses réelles de fonctionnement donc les chiffres de la DSP en augmentation, la plateforme Oura, la convention avec la région pour le cabotage scolaire donc sur les lignes régionales, les charges de personnel, des remboursements des intérêts de la dette et donc d'autres dépenses de fonctionnement. Et en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc les recettes issues des transports scolaires, des transports urbains, le versement mobilité, la dotation de l'État, des reversements de la région et une subvention d'équilibre du budget général à hauteur de 522 000 euros. Et en ce qui concerne donc la section d'investissement, elle est présentée en équilibre à 4 millions d'euros avec donc la mise en place de la flotte des bus électriques pour 3 221 000 euros en particulier et des recettes réelles d'investissement de ce budget transport donc pour du FCTVA 560 000 euros, des subventions du conseil départemental de la Loire et un emprunt d'équilibre, là aussi, en attendant la reprise des résultats de l'exercice 2022, de 2 110 000 euros. Donc là aussi, c'est un montant d'équilibre qu'on ajustera en fonction des résultats de l'exercice qui se termine. Donc voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le Président, sur cette présentation alors générale à la fois du contexte et des chiffres caractéristiques de l'ensemble des budgets consolidés de l'agglomération, de ce qui s'attachait plus particulièrement au budget général de notre EPCI, et puis sur la présentation des budgets annexes. Je laisserai Daniel Fréchet intervenir en ce qui concerne le budget annexe de l'assainissement plus particulièrement.
Merci. En effet, donc le budget assainissement, je rappelle que depuis quelques années, il comprend l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Donc nous vous proposons pour 2023 un budget en équilibre à 11,281 millions en section d'exploitation et 8,628 millions en section d'investissement, ce qui fait pratiquement 20 millions de budget. Les recettes réelles d'exploitation s'établissent à 10,7 millions en augmentation par rapport à 2022. On peut noter le versement de subvention de l'agence de l'eau pour la mise en conformité des branchements, à peu près 200 000 euros. Et le volume facturé aux usagers est projeté sensiblement constant, donc une hausse des tarifs est envisagée pour absorber l'évolution des charges. Ce sont les prestations, participation au financement de l'assainissement collectif, qu'on appelle la PFAC, et contrôle obligatoire des branchements qui génèrent des recettes complémentaires. Les charges d'exploitation s'établissent à 8,2 millions en augmentation par rapport au budget primitif 2022. Je rappelle, il était de 7,36 millions d'euros, mais pas par rapport au budget primitif plus les décisions modificatives qui ont fixé l'autorisation de budget à 8,4 millions pour tenir compte des surcoûts constatés dans le courant 2022 et des révisions de prix de marché. Je rappelle notamment le marché d'exploitation de la station de traitement des eaux usées, plus 16% fin août 2022. Les principales charges générales sont l'entretien de la station de Roanne et ses équipements, 2 100 000 euros. Le remboursement à Roannaise de l'eau des charges indirectes de ce budget, assainissement collectif, non collectif et eau pluviale, 2,8 millions d'euros. La prestation de service, 558 000 euros. La maintenance et l'entretien des réseaux, 470 000 euros. Et enfin, l'épandage et le compostage des boues des différentes stations à 356 000 euros. Parmi les dépenses d'exploitation, nous prévoyons aussi de maintenir notre aide à la réhabilitation des équipements d'ANC pour les particuliers, 200 000 euros, et la déconnexion des eaux pluviales en complément des subventions apportées par l'agence de l'eau, 30 000 euros. L'équilibre de la section d'exploitation permet de dégager un virement de 1,3 million d'euros à la section d'investissement afin d'améliorer sa capacité d'investissement. Cette capacité d'investissement sera à nouveau augmentée lorsque nous pourrons effectuer les résultats réels de l'exercice 2022 à l'occasion de la DMA, qui sera réalisé en début 2023 après présentation des comptes administratifs de ce budget. Des subventions d'investissement sont prévues à hauteur de 4,6 millions d'euros, dont 2,5 millions de l'agence de l'eau et de l'État sur le décanteur primaire, 1,1 million d'euros de l'agence de l'eau dans le cadre du schéma directeur et 800 000 euros de l'agence de l'eau dans le cadre du renouvellement des réseaux. 200 000 euros des communes pour les extensions de réseaux dans le cadre de l'urbanisation. Un emprunt d'équilibre de 0,85 millions d'euros est prévu. Son montant sera ajusté lors du calcul de l'affectation des résultats 2022. Le but, bien sûr, est de ne pas le faire. La section d'investissement prévoit la réalisation de 8 millions d'euros de dépenses, dont 700 000 euros pour le remboursement du capital de dette et 7,3 millions d'équipements. À noter la poursuite de la réalisation du schéma directeur assainissement, 1,5 millions d'euros, et du décanteur primaire, 2,2 millions d'euros. Renouvellement de réseau, 2,6 millions d'euros. Le renouvellement de matériel, 400 000 euros. Les frais d'études, 300 000. Entretien des bâtiments, 100 000 euros. Alors, ça va sûrement augmenter un petit peu avec les travaux de la façade. Et des dépenses imprévues pour 200 000 euros. Le budget 2023 est conforme à la prospective financière du budget assainissement, qui prévoit un recours important à l'autofinancement afin de réduire l'encours de dette dans la perspective d'investissements lourds à venir sur la station de Roanne à l'horizon 2030. Pour mémoire, notre encours de dette est de 5,2 millions d'euros à fin 2021 avec une capacité de désendettement d'environ 3 ans. Cela ne cesse de réduire car nous n'avons plus recours à l'emprunt d'assainissement grâce à notre stratégie autofinancement par notre résultat d'exploitation reporté chaque année sous la section investissement. En 2022, nous avons réussi à faire notre programme d'investissement de plus de 8 millions d'euros sans avoir recours à l'emprunt et cela grâce aux résultats positifs dégagés au compte administratif de 2021 que nous avons affecté à la DMA. Pour 2023, ce sera un résultat positif attendu à fin 2022 d'environ 3 millions d'euros, selon notre prospective, pour améliorer notre capacité d'auto-investissement. Bien. C'est le moment de poser les questions. Madame Chevillard. Oui, bonsoir à tous. Alors, c'est pas vraiment une question et je vais pas revenir sur ce que j'ai dit le mois dernier concernant le budget général. Je voulais simplement refaire la proposition quand même, on voulait refaire la proposition de la gratuité des bus le week-end. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on pouvait quand même s'interroger parce que le versement mobilité, on savait pas trop où on allait.
On se rend compte quand même que ce versement mobilité, il augmente chaque année. Donc ça peut paraître une solution, en tout cas. J'aurais tendance à dire face à l'urgence écologique et climatique, mais aussi face au coût des transports pour les ménages, qui est de plus en plus importante. Et il me semble quand même que la gratuité, notamment les week-ends, pourrait dans un premier temps être intéressante pour notre territoire. Monsieur le vice-président Chervin, un commentaire ? Oui, c'est effectivement, c'est une question qui revient à chaque fois qu'à chaque budget ou chaque orientation budgétaire. Je vais faire une réponse globalement. On a accordé la gratuité de deux week-ends. Donc, j'avais échangé avec le président parce que j'étais absent lors du dernier conseil communautaire. À savoir que si on accorde une gratuité tous les week-ends, donc ça fait 8 à 9 jours de gratuité par mois. Donc, ce qui veut dire qu'il faut revoir la grille tarifaire. Parce qu'un abonnement mensuel, quelqu'un qui paye son abonnement mensuel et puis qu'on décrète du jour au lendemain d'avoir 8 ou 9 jours gratuits, ce n'est plus correct vis-à-vis de la personne qui paye. Donc, à chaque fois, j'avais déjà dit, à chaque fois qu'on veut changer, modifier un tarif, ça a des impacts sur le reste de la grille tarifaire. Donc, on ne peut pas modifier comme ça librement des tarifs. Voilà. Après, c'est un choix que l'on fait de ne pas accorder la gratuité parce que vous avez parlé effectivement du versement mobilité qui augmente. Il va y avoir une indexation forte. Donc ça a été souligné, je crois que c'est autour de 900 000 euros. C'est une prévision, ça sera peut-être un peu plus concernant le coût de l'énergie, la hausse de l'énergie. Et on payera bien plus cher. L'économie qu'on pensait peut-être faire en fonctionnement avec la flotte électrique ne va pas se réaliser dans la proportion qu'on le souhaitait. Voilà, donc ça sera un coût supplémentaire qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Merci. On va déjà voir un peu ce que donne la gratuité donc, des deux week-ends que nous avons décidé. Et ça sera donc pour voir les incidences par rapport effectivement au reste. Mais comme l'a dit Jean-Luc Chervin, ça reste quand même très compliqué parce que ça a des incidences au-delà de simples week-ends. Sans compter l'incidence budgétaire elle-même, donc de la perte de recettes sur ces week-ends-là. Là, je crois que sur les deux week-ends, c'était combien, Jean-Luc ? 30 000, de 30 000, mais bon, entre peut-être 20 et 30 000. Donc, si on multiplie par le nombre de week-ends de l'année, ce sont des sommes qui ne sont pas quand même nulles. D'autres questions, d'autres remarques ? Madame Riamon ? Profitez du micro collectif. Oui, merci. J'ai trois questions, puis un petit commentaire pour par rapport à ce que vous nous avez présenté. D'abord, je voudrais remercier M. Troncy et les services de la clarté de la présentation et du fait qu'on a bien les diapositives. Moi, je trouve que c'est quand même important et intéressant. Et puis, voilà, ça éclaire aussi vos propos, M. Troncy. Donc, ça correspond bien à ce qu'il faut dans la pédagogie de ce budget. Trois demandes de précision. Vous avez parlé des restes à réaliser, M. Troncy, pour 3 millions d'euros. Est-ce que vous pourriez rapidement nous dire c'est quoi les plus gros facteurs hein, de report ? C'est pas la question, mais c'est juste pour savoir en gros qu'est-ce qui a été reporté. Je me permets de vous poser mes trois questions, comme ça vous pourrez peut-être y répondre. Je crus comprendre que par rapport à la dépense de 826 000 euros d'équipement pour la direction de l'informatique, si je ne me suis pas trompée dans ma lecture, il y avait une subvention environ de la moitié. Et je suis curieuse de savoir d'où vient la subvention. Est-ce que je me suis trompée dans la lecture des documents ? Je voulais juste dire que j'ai quand même eu beaucoup de mal, mais je vais laisser ma tablette à l'informatique, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés à atteindre les documents sur le plan informatique. Voilà. Mais ce n'est pas de votre faute, Monsieur le Président. Hein. C'est lié à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc je vais donner ma tablette et puis... Ouais, donc j'ai pu me tromper dans la lecture de ce que j'ai lu, mais j'ai cru comprendre ça. Et puis, Daniel Fréchet a dit tout de suite là, qu'il y avait 16% d'augmentation à août 2022 de la facture, enfin de la DSP sur la STEP. C'est ça que tu as dit ? Prestation de service. Et juste, tu peux nous dire d'où ça vient, ces 16%, parce que ce n'est pas encore totalement l'énergie à août 2022. Voilà, est-ce que c'est possible juste d'avoir la précision de ça ?
Je vais peut-être attendre les réponses aux questions, Monsieur le Président, avec votre accord. Et puis, je ferai un petit commentaire sur certains éléments du budget. Donc, sur les 3 millions d'euros là, de reste annuel, c'est essentiellement donc, pour les déchets ménagers, donc avec une difficulté du prestataire à fournir les bacs. Donc, voilà, on a du glissement dans le temps et donc aussi des retards sur des études ou des facturations d'études. Voilà, donc c'est du glissement de calendrier. Donc, voilà. Alors, sur la DTNSI, c'est de la refacturation sur les communes. Oui, voilà, oui. Donc, là aussi, c'est un effet mécanique. Oui. Et juste à ce sujet-là, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait avoir un petit mémo, enfin une petite note, sur le schéma directeur informatique, juste pour situer la trajectoire dans laquelle on est pour la partie équipement c'est des montants importants, moi je pense qu'ils sont nécessaires. Et on l'a vu, la lutte contre les cyberattaques aussi concerne notre collectivité. Donc juste avoir peut-être une petite mise en perspective de ce budget important pour le fonctionnement de nous tous et des usagers. Sur le montant de 16%, ben c'est simplement le taux de réactualisation dans le contrat. Oui, 16%, on a eu 12% sur l'eau. Alors ça, c'est le contrat de DSP, anciennement Rhône-Noir Nord, et 16% sur le là-dessus. Alors dedans, il y a des tas de choses. Hein. Il y a tous les matériels, les pompes, il y a un peu d'énergie aussi, les salaires, ainsi de suite. Donc, vous savez, quand on parle d'inflation, tout le monde n'a pas la même inflation. Hein. D'ailleurs, souvent on parle du taux des maires, enfin de l'inflation en mairie, en particulier. Et nous, en fin de compte, le taux direct, idem pour l'immobilier, hein, vous avez aussi tous les ans un taux hein, qui est différent. Nous, le taux il est de 16%, donc il est quand même assez élevé. Et la perspective pour les années suivantes ? Alors, c'est comme ça tous les ans ? Alors, il est terminé. On vient de le relancer. J'en parlerai tout à l'heure. On pense qu'on aura à peu près 200 000 euros de plus par an, en effet. Donc, on a relancé. D'ailleurs, on a passé au dernier conseil communautaire. Hein. Donc, il y a deux entreprises qui ont candidaté. Suez, qui a le marché actuellement, et Veolia. On verra un petit peu comment ça va se passer. Et ça a une incidence directe sur la tarification parce que le budget, comme tu l'as rappelé, il est équilibré uniquement par voilà. La redevance et bon, la tarification. Ça sera le point d'après. Waouh. D'accord. Bon, j'ai bien fait de poser la question finalement. Bon. D'accord. Merci en tout cas de cette précision. Juste, monsieur le maire, pour. Monsieur le Président, excusez-moi, c'est à cause du conseil municipal d'hier. Monsieur le Président, excusez-moi. Juste quelques remarques de mise en perspective. D'abord, vous dire à quel point la suppression de la CVAE, on le voit tout de suite là dans ce que vous avez présenté, serait dramatique finalement pour l'équilibre budgétaire de toutes les collectivités et de la nôtre en particulier. Parce que aujourd'hui, si vous êtes dans la capacité de présenter un budget assez dynamique finalement, hein, assez punchy, on va dire, hein, dans les propositions que vous faites, c'est quand même lié aux recettes et à la souplesse de ces recettes de la vie économique. Et moi, je rappelle ici, on l'a déjà dit, mais je crois que c'est important de se le redire, à quel point ça me paraît inacceptable, cette suppression de la CVAE. D'abord parce qu'on ne peut pas faire reposer le fonctionnement de nos collectivités uniquement sur la recette liée à la consommation, c'est-à-dire la TVA. Et si, et moi je ne le souhaite pas, mais si on a une année trop difficile en 2023 ou année suivante qui amènerait une baisse de consommation, bah, automatiquement c'est la double peine pour les collectivités qui sont quand même là pour maintenir et protéger, maintenir l'investissement, maintenir le développement, préparer l'avenir et puis protéger les habitants. Donc c'est vraiment absurde pour moi. Et puis l'autre élément sur lequel je veux insister, et l'actualité de l'ordre du jour de notre séance y contribue finalement, c'est que les entreprises utilisent l'ensemble des services mis à leur disposition en voirie, en transport, en sécurité numérique, en accès à l'énergie, en prix de l'énergie, en sécurité globale aussi pour la vie dans ce pays. En France, on est dans un pays sécure pour les entreprises. C'est pas le cas dans d'autres pays dans le monde. Donc tout ça, ça a un coût qui est supporté par la puissance publique et les collectivités en font partie. Et donc moi, il me paraît justice, tout simplement, que les entreprises
une fois engrangé le bénéfice qui leur permet de se développer, d'investir et de rémunérer leurs collaborateurs, eh bien, participent tout simplement à cet effort. Donc moi, je suis frappée de voir dans ce que vous avez présenté à quel point ce serait une absurdité que de supprimer la CVAE. Et c'est en ça qu'on a soutenu la motion de l'AMF que vous avez expédiée rapidement à cause du froid dans la salle la dernière fois, mais pour laquelle on avait insisté lors du conseil municipal de Roanne. Voilà, donc moi, je voulais vraiment insister là-dessus. La deuxième chose, c'est au chapitre des recettes aussi, on voit une forte masse de subventions obtenues, et tant mieux, dans différents domaines, sur l'ensemble du budget et des budgets annexes. Moi, ce que je crains aussi, c'est que les difficultés à venir des collectivités, et ça renvoie à ce que je viens de dire et à la motion qu'on a votée, fasse baisser cette possibilité de subventionner pour les années à venir une collectivité intermédiaire et déterminante comme le PCI, parce que quand on s'adresse à la région ou au département, ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont les mêmes contraintes que nous, et donc ils ne pourraient pas, là encore, soutenir la proximité et le développement que représente le PCI. Donc, ceci expliquant cela, et tout est lié dans cette manière dont j'interviens sur les recettes. Au chapitre des dépenses, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la question de la crise inflationniste et de la crise énergétique nous impacte. Il n'y a pas le choix et personne ne l'a souhaité, personne ne l'a voulu. Par contre, je voulais redire ici, parce que j'y tiens beaucoup et c'est important, que pour moi, l'augmentation de la masse salariale liée à l'augmentation du point d'indice, c'est quelque part aussi du pouvoir d'achat pour nos collaborateurs. C'est aussi un rattrapage de 12 ans de non-augmentation du point d'indice. Alors, vous allez me dire, Monsieur Troncy, Monsieur le Président, ça tombe mal, parce que ça tombe cette année, probablement, si on regarde les purs budgétaires. Mais je pense qu'il n'y avait pas le choix. Voilà. Et on voit bien qu'à 3,5%, ça ne couvre absolument pas l'augmentation du coût de la vie. Voilà. Donc, le sujet est encore devant nous, bien sûr. Mais je crois que c'est important de se dire ici que cette dépense-là, c'est une bonne dépense. Voilà. Et puis, je fais une proposition, Monsieur le Président. Le rôle de notre PCI, c'est aussi d'exercer sa solidarité et son soutien au développement des communes, au maintien des services dans les communes, et peut-être d'insister sur, dans le schéma de mutualisation que pilote Daniel Fréchet, d'avoir peut-être une réflexion pour approfondir la mutualisation et peut-être des prises de compétences sur les questions d'économie d'énergie et d'énergie en général. Là-dessus, la loi n'est pas très précise, n'est pas très claire. Elle laisse finalement l'initiative au bloc communal, EPCI et communes, de s'organiser. Et peut-être il y a des innovations à trouver dans ce domaine-là pour amortir ou partager ce coût de l'énergie qui nous impacte. Et j'y reviens là-dessus, mais je sais que vous y êtes sensible, Monsieur le Président, et en l'occurrence, Monsieur le maire de Roanne, par exemple, la question de l'éclairage public. Voilà, c'est mutualisé au sein du ciel. On pourra beaucoup ici discuter du rôle et des avantages et des inconvénients que je connais bien du ciel. Et je ne fais aucun parti pris politique par rapport à ça, puisque je connais bien la présidente actuelle du ciel. Peut-être y a-t-il encore des marges de manœuvre à avoir sur cette question-là, dans le domaine de l'économie d'énergie, des travaux d'économie d'énergie, des achats groupés d'énergie. Voilà. Il y a peut-être encore une marge de manœuvre à avoir pour aider aussi les communes à passer le cap. Voilà quelques éléments de réflexion et de propositions qu'on souhaitait partager avec vous en complément de la discussion budgétaire qui a été très complète la dernière fois. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ? Moins d'intervention, M. Besson. Oui, c'est simplement pour revenir, poursuivre la demande formulée par Mme Chevillard, en redonnant peut-être quelques éléments de réflexion. Il ne me semble pas qu'on a une obligation, en tout cas c'est un arbitrage qu'on aurait à faire, mais de modifier la grille tarifaire de tout parce que nous faisons ce choix-là. Les gens ont une possibilité de déplacement avec des abonnements qui leur coûtent tant. Bon, pour eux, dans un premier temps, ça leur change rien dans le sens où c'est le même tarif et ils ont le même service. Par contre, ce serait du gagnant pour beaucoup de monde. Et au regard des éléments
des subventions d'équilibre qui étaient prévues pour l'année 2022, qui étaient nettement plus importantes, au regard du forfait mobilité qui a été nettement plus important cette année que ce que les prévisions que vous aviez pu faire. Il nous semble que pour l'année prochaine, étant donné les montants dont on parle, on est sur de l'ordre, vous l'avez dit, de quelque chose comme 20-30 000 euros pour deux week-ends ramenés à l'année. On n'est pas sur des sommes qui sont colossales, quoi. Et à mon avis, on a une possibilité de réfléchir vraiment sur cette question-là. Pour, si ce n'est de faire tous les week-ends, on peut voir, pourrait dire, bon, ok, et ce n'est pas tous les week-ends, mais que les samedis. Enfin, on voit, on a juste pour faire quelque chose qui soit régulier et qui. Et moi, je suis très satisfait des deux week-ends qu'on vient d'avoir, mais si on veut qu'il y ait des changements d'habitude et dans les mobilités, dans la durée qui se mettent en place, on a besoin d'expériences plus longues que deux week-ends. C'est pour ça que. Bon, quand on a vu l'ADM il y a deux mois, on avait proposé déjà 8 week-ends, parce que le temps que le bruit se fasse, le temps est quasiment passé, quoi, d'une durée aussi courte que deux week-ends. Donc je remets ces éléments-là au pot commun, et je pense que ce serait intéressant. C'était un engagement que vous aviez dans votre programme, monsieur Nicolin, et ça me semble vraiment pas, au regard des montants, quelque chose d'inaccessible, quoi. La gratuité des transports, c'est une question presque philosophique. En face de cela, il faut savoir que nous avons un équilibre budgétaire pour financer ce réseau qui repose sur le versement transport, la billetterie et une somme de l'ordre de 500 000 euros cette année, donc du budget général. Tant que nous devrons financer par le budget général le budget des transports, je ne pense pas qu'il soit envisageable d'aller au-delà sur les gratuités. Si le dynamisme économique nous permet, grâce au versement transport, eh bien d'avoir un montant plus important, et c'est ce qui est en train de se profiler. Et nous l'avons déjà vu en 2019, le versement transport était dynamique et a permis de ne pas avoir une participation du budget général pour la première fois depuis toujours. Du financement du budget des transports. Donc le jour où nous retrouverons, alors après on a eu 2020, 2021, 2022, on est dans une reprise de dynamique, mais on a quand même à mettre au pot du budget général pour financer le budget des transports. Le jour où le versement mobilité, d'ailleurs, puisqu'il s'appelle maintenant versement mobilité et plus versement transport, sera suffisant pour financer donc le service, on pourra envisager des baisses et peut-être la gratuité. Mais pour l'instant, je trouve qu'il faut rester sur un équilibre qui ne coûte pas aux contribuables, ou en tout cas coûte le minimum aux contribuables par l'intermédiaire du budget général. Madame Chevillard, pour un complément, avant de passer au vote de l'ensemble de ces budgets. Oui, peut-être un complément par rapport à ça. Moi, j'ai regardé un petit peu les communes ou intercommunalités qui sont passées en gratuité du transport, notamment le week-end. En fait, on se rend compte que ça incite les gens à prendre les transports la semaine. C'est-à-dire que au fil du temps, la plupart du temps, c'est des gens qui ne connaissent pas le transport public en général sur la collectivité. Et le fait d'amener ces gens-là à un transport gratuit le week-end fait qu'au fil du temps, c'est des gens qui prennent l'habitude de prendre les transports, y compris la semaine, même s'il est payant. Donc ça veut dire que ça a deux côtés, positifs, en fait. Et ça permet justement, au niveau de la billetterie, d'avoir des recettes supplémentaires. Et donc, voilà, quoi, ça a un côté assez favorable. Je ne conteste pas ce que vous dites, c'est probablement vrai. Il faut encore qu'on l'affine, et c'est pour ça que je disais que pour le moment on va en rester là, mais les services peuvent tout à fait travailler avec la STAR sur des projections, mais il faut aussi qu'on retrouve, c'est le cas cette année, hein, mais c'est la première fois depuis 2020 et 2021, il faut qu'on retrouve une dynamique, du versement mobilité. Parce que sans cela, on ne pourra pas faire évoluer. Le versement mobilité, il nous permet aussi,
de moderniser notre réseau. Il nous permet donc de faire plein de choses. Et aujourd'hui, on fait de gros efforts. On va faire de gros efforts avec cette nouvelle flotte de bus. On va apporter du confort. On va apporter aussi donc un meilleur environnement, entre guillemets, aussi bien pour les chauffeurs d'ailleurs que pour les passagers. Mais après, oui, si on a des marges de manœuvre qui se dégagent, on pourra réfléchir à ce genre de choses. Mais en tout cas, sur le fait que la gratuité du week-end puisse inciter à un usage plus fort, y compris payant le reste de la semaine, je pense que c'est assez logique d'ailleurs. Donc je ne le conteste pas. Je ne suis pas complètement fermé, et Jean-Luc Chervin non plus, sur cela, mais voilà, nous devons avancer avec prudence, et vous connaissez, mon tempérament en matière financière. Je préfère être prudent, et le passé nous montre que nous avons eu raison d'être prudents, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Et comme l'a dit Mme Riamon, la disparition de la CVAE, comment dire, au moment où celle-ci reprend du dynamisme, pour nous, c'est quand même un handicap, et pour beaucoup de collectivités d'ailleurs. Donc si on pouvait retarder un peu la décision du gouvernement. Mais bon, bref. Bien. Après ces échanges, ce dont je vous remercie, je souhaite donc mettre aux voix donc ces budgets. Pour le budget général, des votes contre, 4, des abstentions. Pour le budget de tourisme et de loisirs, des votes contre, 2. Des abstentions, 2. Pour le budget des zones d'activité économique, des votes contre, des abstentions. Pour le budget des transports, alors abstention sur le budget des affaires économiques, 2. Pour le budget des transports, des votes contre, des votes contre, 2. Des abstentions. Pour le budget assainissement, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Je redonne la parole à Daniel Fréchet pour les tarifs d'assainissement collectif pour 2023. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, on a déjà dit, donc on a eu des charges sur 2022 déjà importantes. Donc, comme on l'a dit, donc la révision de prix du marché de la station de Roanne, 16%, soit à peu près l'équivalent de 300 000 euros. Les marchés de réparation de branchement ont des prix qui ont augmenté entre 25% et 90%. L'électricité a déjà pris 22% sur l'année 2022, soit 40 000 euros. Pour 2023, ce sera un peu plus de 56 000 euros de plus. Le traitement des bois a augmenté de 20% par rapport à 2021, lié au pré-traitement à la chaux que nous sommes encore obligés de faire, bien sûr, cause Covid. C'est à peu près 80 000 euros par an. Nous notons en plus une facture de carburant de plus de 30%, à peu près 15 000 euros. Pour 2023, nous savons déjà que les traités seront impactés entre 39 et 71% au travers de notre marché. Le traitement des boues doit être poursuivi sur 2023 en l'absence de consignes de l'État. Donc le marché de la station de Roanne est en cours de reconduction et nous savons déjà qu'il faut nous attendre à environ 20% d'augmentation et sans oublier, bien sûr, les hausses des salaires. Donc c'est pour ça que nous vous proposons une hausse des tarifs de 7%. Je ne vous cache pas que c'est vraiment la fourchette basse qui a été retenue. 7% va à peu près nous rapporter 450 000 euros par an. Donc cela se traduira sur la facture de l'abonné, donc ça va à peu près 1,50 euros par mois, c'est un peu plus de 17,80 euros par an. Nous avions encore 7 tarifs différents sur l'assainissement en 2023, il n'y en aura plus que 4. Donc la convergence tarifaire s'achèvera en 2024, donc l'an prochain, 10 ans après la prise de compétence, assainissement en 2013. Je rappelle que la part fixe aujourd'hui représente à peu près 28% de la facture type et le maximum qu'on peut avoir sur nos collectivités urbaines, il ne faut pas dépasser les 30%. Merci Daniel. Sur ces tarifs, des questions ? Monsieur Besson ? C'est une remarque qu'on remet sur la table. On l'a mis l'année dernière. Dans le cadre de la tarification de l'assainissement, il y a, vous savez, une progressivité positive du prix en fonction du volume consommé, avec des tranches de 0 à 24 000 mètres cubes. On a refait notre calcul, et sauf erreur de notre part, en conclusion, quelqu'un qui consomme
quelque chose qui est de l'ordre, enfin qui consomme, qui évacue de quelque chose de l'ordre de 24 000 m3, il va payer 32 000 euros. Quelqu'un qui consomme environ 150 000 m3, il va payer environ 118 000 euros. Ça ferait quelque chose comme 6 fois plus de consommation, mais il paye que 3 fois plus. Ça nous semble être un écart entre les petits volumes et les gros volumes qui est vraiment très important. Et on a déjà eu cette discussion hein, de dire oui, les prix en pourcentage, ils augmentent plus sur les tranches hautes que sur les tranches basses. On a aussi essayé de regarder avec cette poursuite de rattrapage-là, il nous faut un siècle pour aller vers le rattrapage. Et dans un siècle, on aura coulé sous les ponts, il n'y aura peut-être plus d'eau dans la rivière, enfin j'espère qu'on en sera de ce côté-là. En tout cas, peut-être pas tout le temps et autant que tout au long de l'année. Bref, au-delà de cette petite métaphore-là, on a besoin, et bon, c'était le sens de notre budget, de votre abstention sur le budget annexe de façon générale tout à l'heure, hein, on a besoin qu'il y ait un plan d'action qui soit mis en place pour vraiment trouver une solution à ça. Parce que vous l'aviez dit l'année dernière, il y a d'un point de vue des incitations financières qui avaient été faites avec l'élévation de l'assainissement dans les années, je crois, l'année dernière, 2000, vous avez dit que ça avait voilà, enclenché des réductions. Et voilà, et on pense qu'il peut y avoir encore des leviers de ce côté-là et que l'incitation justement à finalement payer un peu comme les... Pareil pour toutes les tranches, ça peut être incitatif à la réduction des volumes et en même temps, avec toute la question des imperméabilisations ou d'autres choses, hein, ou bien de toutes les questions qu'on a évoquées dans la commission assainissement, pas assainissement de la Rouennaise de l'eau, il y a une semaine, 15 jours. Et voilà, et c'est aussi une question tout simplement de justice et d'équité. Quoi. Pourquoi, quand on consomme beaucoup, on paierait beaucoup moins que ceux qui consomment peu ? Alors, je vais vous répondre là-dessus, M. Besson, parce que je suis radicalement opposé à votre point de vue. C'est vrai que, comme ça, dire il est normal, il faut faire des économies de l'eau, l'eau est devenue rare, précieuse, et les gros consommateurs, il faut les pénaliser. Mais c'est plus compliqué que ça. Savez-vous quels sont les deux plus gros consommateurs d'eau de la Rouennaise de l'eau ? Non, je ne les ai pas, mais vous allez me dire que c'est peut-être du service public, quelque chose. Ben, c'est l'hôpital de Rouen. L'hôpital, oui, voilà, je m'en doutais. Et les eaux minérales de Saint-Alban. Oui. Même pas. Les piscines, mais non. Mais non. Donc, je veux dire, voilà, c'est-à-dire que ça part d'une bonne intention, mais si c'est pour aller pénaliser l'hôpital, le service public, les soins, pénaliser les eaux minérales de Saint-Alban, il faut le savoir que quand vous achetez... Alors, pas de l'eau minérale de Saint-Alban elle-même, hein, parce que là, c'est une source. Mais quand vous achetez, effectivement, des sodas produits par les eaux minérales, c'est l'eau de la Rouennaise de l'eau. Hein. C'est pas l'eau minérale de Saint-Alban qui vient de la source. Hein. C'est de l'eau du barrage de Renaison. Et donc, derrière, c'est l'emploi. Pour juste votre information, puisqu'on les a visités il n'y a pas très longtemps, l'augmentation de l'énergie, il passe de 2 à 6 millions d'euros sur le gaz. Et ils sont obligés, pour pouvoir... absorber ce surcoût, d'augmenter chaque col de bouteille vendue de 12 centimes. Qui est-ce qui paye ? C'est la ménagère. Donc demain, on va mettre effectivement une taxe supplémentaire aux gros consommateurs. Qui est-ce qui paye ? Ça sera la ménagère. Ça ne sera pas l'entreprise qui va réduire, parce qu'elle ne va pas réduire ses volumes, puisque de toute façon, ces volumes qu'elle consomme, elle les revend derrière. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'une entreprise qui utilise de l'eau pour des objets, on va dire, moins nobles, elle n'a pas envie non plus de la gaspiller, parce que c'est un coût quand même, quelque part. Donc elle fait des efforts, elle a même, par ailleurs, des obligations. Je prends un exemple aujourd'hui, un laveur de voiture, vous allez chez Éléphant Bleu et compagnie, ils sont obligés de recycler l'eau. Donc je veux dire, ce n'est pas non plus des gros consommateurs d'eau. Valentin Traiteur ou la laiterie Collet, ils ont besoin d'eau. Mais je veux dire, c'est une charge pour eux, donc ils la limitent au minimum. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait beaucoup de clients de la Rouennaise de l'eau qui gaspillent l'eau. Donc c'est pour ça que ce raisonnement, il est quelque part quand même un peu dangereux. Voilà, donc il y a effectivement une taxation plus importante, mais ramenée au litre, effectivement, peut-être moins forte, mais...
Je me rappelle, moi, quand nous avons implanté les eaux minérales de Saint-Alban, ça faisait partie aussi du deal de l'implantation. Parce qu'ils ne venaient pas s'implanter à Saint-Alban les eaux que pour la source. Ils venaient pour produire ce que consomme une grande partie de l'Europe du Sud en matière de soda. Et je veux dire, aujourd'hui, Pierre, il y a combien d'emplois à Saint-Alban ? 250 emplois. Quand j'ai accueilli à l'époque le PDG, M. Emmans, il y avait 16 emplois aux eaux minérales de Saint-Alban-les-Eaux. On est passé de 16 à 250. Et dans le deal, il y avait une tarification qui était avantageuse au volume. Sinon, il serait allé voir ailleurs. Donc il faut aussi connaître tout cela pour pouvoir porter des jugements qui ne soient pas pénalisants ni pour les entreprises ni pour le service public. Donc c'est plus compliqué que ça ne peut paraître. Oui, puis j'aimerais compléter. Quand on a créé Rouennaise de l'eau en 2005, il y avait une dizaine de tarifs. Et la dernière tranche n'était pas à 44 centimes qu'aujourd'hui, elle était à 8 centimes. Ou même 4 centimes, enfin, c'était ridicule. Donc on a fait un énorme travail. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 tarifs. Et puis un autre dossier qu'on a travaillé, et je regarde Mme Riamont, parce que c'est elle qui a fait ce travail-là quand elle était première vice-présidente de Rouennaise de l'eau, c'est qu'on a travaillé avec chaque entreprise pour faire des coefficients de pollution. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont leurs factures, leur montant, hein, 44 ou 60 centimes, qui sont multipliés par 2, voire par 3. Et quand on a fait ce travail-là, il y a des entreprises qui sont passées de 10 000 euros par an à 40, 50 000 euros. On a fait ce travail-là il y a quelques années. Donc je veux dire, faut quand même, on va laisser le temps un petit peu pour demain, peut-être encore diminuer le nombre de tranches, le réduire un petit peu. Mais on est passé une marche, on a fait un travail absolument très important. Il y a quelques temps, les entreprises, pratiquement, ils consommaient 40% de la station d'épuration et ils rapportaient 20% en financièrement. C'était pas tolérable, ce qui veut dire que c'était le particulier qui payait. Aujourd'hui, ils représentent 40%, mais ils ont aussi 40% des financiers. Donc là, on est à l'équilibre. Donc là, maintenant, je peux dire que grâce au travail qui a été fait, l'acceptation, c'était dur, hein. Les entreprises, on a mis 4-5 ans à leur faire signer les conventions, même un peu plus. La première, parce que je la cite toujours, c'est Teinturerie d'Anjou, hein, qui était la première à signer, hein, qui est quelqu'un qui a un centre de l'environnement très développé, c'est pas le président d'Alsace pour rien. Mais voilà, les derniers ont signé il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont des gros volumes ont une convention avec nous de traitement. Tous les trimestres, ils nous envoient leur relevé et on facture en fonction du degré de pollution. Donc avec des coefficients qui peuvent aller de 2 à 3 sur leur volume. Je peux vous dire que ça fait des montants importants. Donc ce travail a été fait et voilà, donc je pense qu'il faut stabiliser. Pour moi, ce que vous venez d'expliquer, je l'entends tout à fait, et simplement la démonstration que je lis dans votre argumentaire, c'est qu'en fait, vous avez été capable, en l'espace de 20 ans, de multiplier, de passer de 4 ou de 8 centimes à la tranche actuelle qui est de 44, donc par 10, sans faire couler les entreprises, sans les amener à la faillite. C'est-à-dire que vous l'avez pris dans une programmation longue, vous l'avez anticipé. Et ça a permis justement d'arriver à quelque chose qui est plus juste. L'autre bonne nouvelle que je lis dans ce que vous avez dit, c'est que s'il y a bien 40% d'équilibre au niveau du paiement des frais de l'assainissement et que ça représente 40% des volumes et que c'est juste de ce point de vue-là, ça veut dire que ce lissage qu'on va pouvoir faire, si on augmente les gros volumes petit à petit, on va pouvoir peut-être aussi baisser la tarification en même temps d'une manière globale parce que en remontant tout le monde, si les volumes augmentent et qu'on a des volumes importants qui deviennent plus chers, ben on va peut-être pouvoir globalement, au final, réussir à avoir un tarif final qui va être peut-être plus faible pour un peu tout le monde. Et voilà. Et bon, après voilà, pour moi, c'est une question de planification et je pense que l'agglomération, comme elle a su le faire par le passé, elle est capable de continuer ce travail. Il faut le planifier parce que effectivement, le faire du jour au lendemain, je suis d'accord, ce serait une bêtise, ça pourrait enclencher des difficultés pour les entreprises, ce serait un problème. Et par contre, si on le planifie, si on explique le pourquoi et qu'on laisse le temps aux entreprises de l'anticiper et de s'organiser, eh ben, vous avez fait la démonstration au fil des années assainies qu'il est tout à fait possible justement de faire ce travail-là sans les mettre en danger. Mes remarques restent valables après l'intervention de Daniel Fréchet. Oui, monsieur Néjard.
Alors, on va vous demander de partager le micro, là, et les microbes qui vont avec, bien sûr. Et ça. Touchez pas au fond. Juste... On partage voilà. L'immunité aussi, hein, donc c'est pas grave. C'est un débat qu'on a eu il y a quelques années sur, je vais faire pratiquement les mêmes remarques. Moi, sur la partie entreprise, j'avais suivi un peu, puisqu'on avait aussi un Riorgeois qui a travaillé de façon importante sur ces conventions-là. Mais on avait eu la discussion sur la partie fixe et la partie variable. Je pense plutôt aux gens qui sont plutôt à faible revenu, qui sont tout seuls et qui consomment très peu d'eau. Et quand on augmente de la même façon la partie fixe, abonnement, et la partie consommation, eh ben on les met quand même à la fois un peu en difficulté et un peu en injustice. Moi, je suis plutôt partisan de, autant que possible, de garder dans un niveau raisonnable la partie accès, c'est-à-dire l'abonnement. On paye l'accès à un service public qui est important et de faire payer les gens en fonction de leur consommation, y compris aller un peu plus sur le coût pour le mètre cube, parce que d'abord, ça responsabilise et ça pousse à ce que soit on économe en eau, mais en tout cas qu'on paye la vraie valeur de ce qu'on consomme. Et je trouve toujours que la partie fixe, c'est l'accès aux services publics et qu'il faut la préserver et la garder raisonnable. Monsieur Néjar, tout peut s'entendre, mais doit-on faire payer davantage la mère de famille qui a 3 enfants qui vit seule et qui va plus consommer d'eau que le célibataire qui a peut-être aussi de très bons revenus, hein, qui est peut-être cadre chez Nexter ou travaillant à l'UIT? Donc ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que je consomme de l'eau par... Enfin, est-ce que les gens, aujourd'hui, avec la prise de conscience, il y en a sûrement, mais dans leur immense majorité, est-ce que les gens aiment gaspiller l'eau? Je pense pas. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais ça m'étonnerait quand même. Donc pourquoi vouloir pénaliser ceux qui consomment de l'eau partant du principe que s'ils en consomment beaucoup, c'est qu'ils la gaspillent? C'est un postulat qui est quand même qui peut être battu en brèche. Hein. Non, il y a des gens qui consomment de l'eau par nécessité. C'est pas ce que je dis. Si, non, quand on dit qu'il vaudrait mieux baisser le... Parce que la Rouennaise de l'eau, elle fonctionne comment? Elle a des dépenses d'un côté et des recettes. Bien. Les dépenses, elles sont incontournables. Donc il faut des recettes, et ces recettes, elles viennent d'où? De la consommation du nombre de mètres cubes. Et si on consomme moins d'eau, comment est-ce qu'on se rattrape sur les abonnements pour avoir la même rentrée d'argent? Donc on a tous fait des efforts pour réduire nos consommations d'eau, donc on consomme tous moins de mètres cubes, mais comme il faut toujours entretenir le réseau, investir en matière de sécurité sanitaire, etc., en matière de d'éviter des pertes, et on a un réseau qui est parmi, en France, qui est un de ceux qui perd le moins d'eau, il faut compenser par l'abonnement. Donc si on baisse l'abonnement au profit de la consommation, ça ne marchera pas. Parce que du coup, on va pénaliser des gens qui effectivement consomment peut-être plus d'eau, mais ce n'est pas forcément une volonté de leur part. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Je ne demande pas de le baisser. Je demande que la péréquation entre la hausse sur l'abonnement et la hausse sur le mètre cube soit différencié. Eh bien oui, mais si vous voulez baisser l'abonnement, il faut forcément, pour avoir la même recette, augmenter le mètre cube. Et c'est ça le problème. Donc voilà, c'est compliqué. Bien, Madame Briamont. Et puis après, on tarira la source. Ce que dit Nabil Néjar, c'est que en fait, la tarification sociale sur l'eau ne peut s'appliquer que sur la part fixe. Sur la part abonnement. Donc moi, je suis favorable à cette préconisation, qui est un sujet qu'on a déjà discuté plein de fois. Moi, quand je siégeais à la Rouennaise de Neau, Daniel le sait, on a abordé ce sujet plusieurs fois. À la fois l'équilibre de la tarification fixe, et puis par contre, sur la tarification au mètre cube, dans la catégorie donnée des particuliers, on ne peut pas modifier ça. C'est le mètre cube, il est le même prix pour tout le monde. Et après, il y a la tarification entreprise que vous avez décrite. Donc,
moi, nous, on va s'abstenir sur les tarifs. C'est une abstention dont vous pouvez vous servir, Monsieur le Président, et Daniel Fréchet, président de la Rouennais de l'eau, pour dire aussi, à la fois l'inquiétude, la vigilance et un peu la bougonnerie aussi des élus du Conseil communautaire. Et nous, on est assez libre ici pour l'exprimer, pour ne pas subir le type de contrat ou les augmentations qui sont prévues dans le contrat. Donc c'est dans l'espoir que pour les années suivantes, dans le cadre de la révision du contrat, etc., on trouve aussi une forme de protection des abonnés, des habitants, par rapport à cette question de la gestion de l'eau, qui à la fois préserve le plus possible la ressource, tout en n'impactant pas de manière aussi automatique que vous le décrivez. Ça coûte tant, donc on paye tant. Voilà. Donc c'est dans l'espoir d'avoir de nouveau ce travail que je sais que Daniel Fréchet fait et auquel il est très attentif, de prévoir la suite et de rééquilibrer les choses pour ne pas être sous la coupe de grands groupes, excusez-moi du peu, qui ont quand même pas de soucis économiques en soi. Voilà. Donc nous resterons sur l'abstention concernant ces tarifs, tout en comprenant bien la difficulté et dans le sens des responsabilités. Alors, sur ces tarifs, je soumets à votre approbation les votes contre. Les abstentions. Alors, deux votes contre. Abstention. 3. Merci. 4. Assainissement non collectif, cette fois-ci, des tarifs. Donc, nous avons externalisé le contrôle des branchements d'assainissement collectif en cas de vente, hein, et nous, avec des très bons résultats d'ailleurs et des nombreuses surprises. Et nous savons maintenant que cette prestation peut être facturée à moins de 170 euros TTC. Concernant l'ANC, pour chaque intervention de contrôle de diagnostic d'une installation, nous savions que nous perdions de l'argent grâce à notre comptabilité analytique, on perdait à peu près 30%. Le contrôle est alors facturé à 104 euros TTC. C'est le collectif qui payait en fait pour le non-collectif. Donc pour la fin 2022, nous avons prévu de sous-traiter une partie de cette prestation. La réalité du marché, 140 euros TTC le contrôle, de conduire à proposer un alignement du tarif des contrôles d'installation d'assainissement non-collectif sur celui proposé pour le contrôle des branchements collectifs, soit 170 euros. Je rappelle que c'est une somme que vous payez tous les 4 ans si votre installation est pas conforme, et tous les 8 ans, si elle est conforme. Donc 170 euros tous les 8 ans pour un contrôle, je pense que ça peut être acceptable. Merci. Des questions? Je soumets à votre approbation des votes contre, des abstentions. 2. Toujours Daniel Fréchet, donc des prestations et travaux en assainissement collectif et non collectif, là encore des tarifs à voter. Oui, donc l'augmentation des tarifs en assainissement, donc afin de tenir compte des tarifs des marchés publics en la matière. Alors, je rappelle la stratégie que nous avons. Hein, le but n'est pas de gagner d'argent sur toute cette prestation. Le but, c'est d'essayer de ne pas en perdre. Donc, on essaye de se caler au mieux par rapport, c'est-à-dire qu'on refacture aux clients ce qu'on nous facture, nous, en prestation. Il y a juste une petite hausse qui est à noter, c'est l'évolution du petit forfait des réseaux de branchement assainissement. On va passer de 1500 euros à 2000 euros, c'est le branchement de 1 à 5 mètres. Où là, on s'est aperçu qu'à 1500 euros, on était trop faible. Alors je rappelle pourquoi, hein. C'est-à-dire que vous ayez un branchement d'un mètre ou de 5 mètres, vous payez 1500 euros, donc demain 2000 euros. Alors que l'entreprise, elle nous facture au réel. Si vous avez que des branchements de 5 mètres, eh ben, elle va nous facturer sur 5 mètres. Et là, donc, c'est une moyenne. On s'est aperçu que la moyenne, on avait dû prendre 2,50 mètres. Eh ben, en fin de compte, les branchements font plutôt 3 mètres à 4 mètres. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose cette augmentation. Pour les branchements de 5 à 10 mètres, il est à 3100 euros. Et là, avec la comptabilité analytique, on s'aperçoit que le montant est correct. Et autrement, il n'y a pas d'évolution de tarif pour les autres prestations de services, main d'œuvre, maîtrise d'œuvre et déplacement. Merci. Des questions, des oppositions, des abstentions. 2. Participation au financement de l'assainissement collectif, toujours. Tarif. Oui, ben là, c'est plus simple. Il n'y a pas d'évolution de tarif, hein, sur la PFAC.
On va simplement changer la façon de facturer, parce qu'avant on attendait que le pétitionnaire nous envoie un courrier comme quoi les travaux étaient finis, et souvent c'était longtemps après. Et c'est vrai que quand vous avez construit votre maison et puis 2-3 ans après vous recevez une facture, c'est pas très agréable. Donc on a dorénavant, dès qu'on va mettre le compteur d'eau, donc si on met le compteur d'eau, ça veut dire qu'il va avoir de l'assainissement, donc on facturera immédiatement cette fac. Voilà, de façon à éviter que les personnes reçoivent des factures 2-3 ans après, comme ça existait, et qui peut poser des problèmes financiers, et des fois même en cas de vente, parce que la personne entre-temps a vendu sa maison, et on envoie la facture au nouveau propriétaire qui dit « mais moi, j'ai rien demandé, mais bon, comme c'est le nouveau propriétaire, c'est lui de payer ». Donc, dans ces cas-là, on a fait preuve de bienveillance et on a annulé les factures, mais bon, ça nous fait du manque à gagner, et celui qui devait payer, ben, il ne payera pas. Donc voilà pourquoi on a décidé maintenant de procéder de cette manière. Merci. Madame Mariamon. Je voulais juste avoir poser une question. Quand on a instauré la fac, on a eu beaucoup de discussions pour instaurer cette nouvelle taxe. Et on l'avait fait parce que il n'y avait pas de recettes en face des frais qu'on avait concernant ce type d'intervention. Je voudrais juste savoir si maintenant la recette qu'on a de la fac couvre en fait la charge qui nous incombait et qui n'était pas financée. Non, en fin de compte, la PFAC, elle est là parce que vous arrivez aujourd'hui, vous mettez sur un système d'assainissement avec un collecteur, avec une station. Donc, c'est un droit d'entrée, en fin de compte, la PFAC. C'est tous les gens qui ont payé avant, ben, vous arrivez, donc vous faites construire, ben, un peu comme la taxe d'aménagement dans les communes. Hein, vous construisez, il y a déjà des trottoirs, il y a l'éclairage public, il y a des stades, il y a une école. Ben, c'est un droit d'entrée, donc la PFAC, c'est ça, c'est un droit d'entrée pour, en fin de compte, ben, participer aussi aux travaux de rénovation, ainsi de suite, mais aussi par rapport à... Donc c'est une recette importante pour nous, hein, je ne le cache pas, hein, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an, mais voilà, en fonction, bien sûr, des constructions. Hein. Merci. D'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Deux. Alors, nous allons passer maintenant la parole à Romain Bost pour convention de partenariat. Oui, pardon. Oui, bonsoir à tous. Cette convention de partenariat concerne l'incubateur porté par l'Université Jean Monnet. Comme vous avez pu le voir plusieurs fois en passant devant, nous avons un nouveau bâtiment sur le campus Pierre-Mendès-France, et ce nouveau bâtiment accueille le laboratoire de recherche, le LASPI, les masters scientifiques de l'IUT de Roanne, un foyer étudiant et un incubateur. Donc cet incubateur sera piloté intégralement par l'Université Jean Monnet. Néanmoins, nous avons sur le territoire des outils déjà existants, et l'idée n'est pas de faire des doublons. Donc cette convention, en fait, c'est une convention de partenariat entre des outils qui existent déjà sur le territoire, qui sont portés par Roanne Agglomération, et donc c'est ce nouvel incubateur. Donc les deux outils en question, c'est le Fab Lab, hein, que vous connaissez tous, qui aide au prototypage, qui permet notamment justement à des potentiels créateurs d'entreprises de venir prototyper, essayer de la fabrication d'objets. Et puis on a notre NumériPark, donc notre pépinière d'entreprises, qui permet à des jeunes entreprises de pouvoir accéder à des bureaux, à des espaces, à des loyers défiant toute concurrence. Donc, concernant cette convention de partenariat entre donc, l'incubateur, le Fab Lab et le NumériPark, donc, il y a des engagements de chaque entité, à savoir donc, pour le Fab Lab, donc, les engagements du Fab Lab, c'est orienter parmi les adhérents du Fab Lab les projets de création d'entreprise vers l'incubateur, donc inviter les porteurs de projets à découvrir l'incubateur et à se faire accompagner par cet outil. Favoriser le développement des projets de l'incubateur en proposant 2 heures d'accompagnement gratuit à toute personne inscrite dans le dispositif de l'incubateur. Intervenir au sein de l'incubateur donc à hauteur de 2 fois minimum dans l'année afin de sensibiliser au prototypage donc via un Fab Lab. Ces interventions peuvent prendre la forme d'animation de 2 heures à effectuer sur place à hauteur d'une programmation par semestre.
Ça, c'est, ça concerne donc le Fab Lab. Concernant le Numériparc, donc ouvrir le tarif incubation aux incubés universitaires, notamment si l'incubateur du centre universitaire ne dispose pas d'espace privatif disponible, et ce sera le cas en l'occurrence. Ouvrir l'accès aux ateliers, aux formations organisées au Numériparc aux personnes accompagnées dans le cadre de l'incubateur. Travailler en partenariat avec l'incubateur de l'université pour proposer des ateliers, des formations. Ouvrir le tarif pépinière aux personnes orientées par l'incubateur. Proposer des rendez-vous d'orientation, notamment sur les aides financières et les services existants, et inviter l'Université Jean Monnet au comité de projets innovants en tant qu'expert technique. En matière de communication, il y a aussi donc, une communication à faire sur le présent partenariat et la promotion des activités de l'incubateur au sein du Fab Lab et du Numériparc. Concernant l'Université Jean Monnet, les engagements de l'UJM sont de promouvoir auprès des personnes accompagnées les offres du Fab Lab et du Numériparc, financer les adhésions au Fab Lab aux personnes accompagnées dans le cadre de l'incubateur, en sachant qu'il y aura un maximum de 15 adhésions financées par l'université sur la durée de la convention. On est sur une convention triennale, donc jusqu'en 2025. Inviter les porteurs de projets du Numériparc à des événements, ateliers, formations, workshops ou animations organisées au sein de l'incubateur pour favoriser les échanges. Travailler en partenariat avec le Numériparc pour proposer aussi donc des ateliers, formations. Organiser des séances de visite du Fab Lab et du Numériparc à minima une fois par an sur chaque site pour les faire découvrir ainsi que leurs offres et services et participer au comité de projets innovants. Donc, comme je vous l'ai dit, une convention triennale qui commence dès aujourd'hui et qui court jusqu'en 2025. Il vous est proposé d'approuver cette convention de partenariat entre notamment donc Rouennais Agglomération et l'Université Jean Monnet et autoriser Monsieur le Président, son représentant, à signer la dite convention. Merci. Des questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Et je vous demande de bien noter sur votre agenda la date du 31 janvier à 11h. Pour l'inauguration du nouveau bâtiment de l'avenue de Paris, en présence du recteur, du président de l'université, de la préfète de la Loire, et tutti quanti. Toujours Monsieur Bost, cette fois-ci on va parler de la subvention au centre hospitalier dans le cadre de notre restauration étudiante. Oui, comme vous le savez, depuis 2017, le restaurant universitaire se situe au sein même du CELF de l'hôpital. Donc on a un partenariat avec l'hôpital de Rouen pour accueillir les étudiants dans le cadre de la pause méridienne. Ce restaurant, il est restaurant labellisé U, c'est un faux resto U. Un resto U, le Crous finance intégralement les coûts liés à la restauration étudiante. Un restaurant labellisé U, le Crous finance très partiellement le coût de cette restauration. Et en l'occurrence, nous sommes concernés donc par un restaurant labellisé U, et il faut savoir que Rouennais Agglomération apporte plus de 50% du financement de la restauration étudiante. Chaque année, donc, on remet à jour cette convention avec l'hôpital de Rouen parce que forcément, les denrées alimentaires, il y a aussi les coûts liés aux fluides évoluent, les tarifs évoluent, aussi la prise en charge des coûts de personnel, des charges de personnel évoluent. Donc on est obligé à chaque fois de refaire le calcul, de demander à l'hôpital de nous refaire le calcul, de savoir ce que coûte un repas réellement. Et donc sur cette nouvelle convention 2022-2023, l'hôpital, donc on est parti sur une base de coût de 7,64 euros. Sur ces 7,64 euros, l'étudiant, s'il est non boursier, va apporter 3,30 euros. Dans un cas d'un étudiant non boursier, donc 3,30 euros l'étudiant, le Crous apporte 1 euro et il vous est proposé d'apporter le delta, 3,34 euros. Si l'étudiant est boursier, l'étudiant apporte 1 euro, le Crous apporte 2,30 euros pour compenser le delta, apporte toujours 1 euro, et donc il reste toujours un delta de 3,34 euros à trouver. Et on le trouve dans les finances de Rouennais Agglomération. Donc on part sur une subvention de 3 euros. Il vous est proposé de partir sur une subvention de 3,34 euros par repas étudiant. L'idée, c'est de faire une avance de 100 000 euros à l'hôpital. Et derrière, on ajuste en fonction, à la fin de l'année, en refaisant le bilan, au nombre de repas près, la subvention qui est donnée à l'hôpital. Donc 3,34 euros. Par repas servi. On estime le montant, enfin le nombre de repas étudiants pris à environ 28 000 annuels.
Donc un montant estimatif de 93 520 euros. Alors vous allez me dire pourquoi du coup on donne un acompte de 100 000, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a deux agents qui, auparavant, lorsque le restaurant universitaire a été géré par le centre jeunesse Pierre et Bérégovoy, on avait deux agents de la ville de Roanne qui travaillaient pour le compte du Resto U. Lorsque la ville de Roanne a rétrocédé la partie restauration étudiante, quand l'hôpital a pris le relais, du coup les deux agents sont devenus agents Roanne et agglomération qui ont été mis à disposition de l'hôpital. Et donc aujourd'hui on arrête la mise à disposition d'agents Roanne et agglomération, par contre on donne une subvention de compensation, et cette subvention de compensation elle est à hauteur de 72 000 euros. En plus de cela, vous rajoutez 2000 euros de frais de fonctionnement des bornes Easly, puisqu'on a mis en place les bornes Easly qui permettent aux étudiants d'acheter leur repas et de créditer leur carte et d'avoir une carte magnétique qui derrière donc est utilisée au niveau des bornes. Donc ces bornes ont coûté 7000 euros en investissement, partagées à 50-50 par Roanne Agglomération et l'Université Jean Monnet. Donc ça fait l'objet d'une délibération en bureau communautaire. Et par contre, on a des frais de fonctionnement annuels liés au logiciel qui sont évalués à 2000 euros annuels. Et là, c'est intégralement pris en charge par Roanne Agglomération. Donc vous faites donc 93 520 euros liés vraiment donc à la subvention, 72 000 euros pour les frais de personnel et 2 000 euros donc au titre des frais de fonctionnement des deux caisses enregistreuses, donc des bornes Easly. Et donc voilà, donc on a un montant, je n'ai pas le total, mais sous les yeux, puisqu'il n'est pas dans la délibération, mais voilà, donc vous faites le total, et donc il vous est proposé d'approuver la convention de financement entre Roanne Agglomération et le centre hospitalier pour une année, donc l'année universitaire 2022-2023, et autoriser monsieur le président ou son représentant à signer la dite convention et dire que la dépense sera inscrite au budget 2023. Donc, je ne sais pas si nous sommes le toto de l'affaire, mais nous sommes le dindon de la farce. Monsieur Besson. Deux questions, du coup. La première, ça va concerner la manière dont dans le 7,64 €, comment a été anticipée l'évolution des prix de la matière première. Est-ce que c'était quoi par rapport au coût? Je l'ai plus en tête. Là, on ne travaille pas par anticipation puisque c'est l'hôpital et donc on rattrape les choses après en fonction des achats de l'hôpital. D'accord, donc on va dire que ça leur coûtera plus cher et ils nous demanderont de rattraper. Vraisemblablement. Ok, il n'y a pas question. Ouais. En tout cas, notre vigilance, elle est sur la qualité des repas servis, etc. Je peux vous dire que niveau qualité, c'est certainement l'un des meilleurs restos de France. Oui, j'ai pas les comparatifs, je vous crois sur parole, simplement. Demandez aux étudiants, ils sont bien contents. Et pour ceux qui en connaissent, qui vont ailleurs dans d'autres restos gérés par le Crous, il y a eu un reportage d'ailleurs à la télévision il n'y a pas très longtemps, le mécontentement était général. Là, pas chez nous. D'où l'importance de ne pas justement perdre cette qualité avec des compensations liées à l'évaluation des coûts, quoi. À l'évaluation des prix des matières. Et la deuxième question, du coup, parce qu'on se demandait s'il y avait possibilité de faire un effort financier par rapport à la tarification étudiante qu'on avait identifié à 3,30 €, mais si j'ai bien compris votre propos, au niveau boursier, le prix pour un étudiant boursier, il revient à 1 € et c'est 3,30 € le plein tarif. Quand vous n'êtes pas boursier, c'est 3,30 €, c'est un tarif national. C'est les étudiants payent partout le même prix. Sauf que quand vous êtes dans un resto U géré, propriété par le Crous, à Lyon par exemple, l'étudiant paye 3,30 € ou 1 € s'il est boursier, mais c'est le Crous qui paye la différence. Là, c'est nous. Le Crous nous donne généreusement 1 € par repas. Alors qu'ailleurs, quand le coût de revient est à 10 €, il prend la différence entre 10 et 3,30 €. Et c'est là où c'est très injuste. Et le Crous, alors, on les rencontre, ils nous disent, nous, on a une dotation qui est donnée par le CNUS. Le CNUS a une dotation donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et on est allé avec Romain, on est allé voir à l'époque la ministre, la directrice de l'Enseignement supérieur, et elle dit, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Et ça n'a rien changé. Si, on est passé de 0,75 € donné par le Crous à 1 €.
Donc il n'y a pas, pour la justification de pourquoi ce n'est pas un resto U, mais assimilé U, il n'y a pas de, d'argumentaire ou de motif de justification en réalité, c'est ça? Bah, ils n'ont pas les moyens. Ouais, c'est financier, mais ce n'est pas sur le fond du service. Est-ce que c'est ou... là où le fait de vouloir, c'est une volonté politique ancienne sur Rouen, de développer des offres d'enseignement supérieur, coûte à, hier à la ville de Rouen, aujourd'hui à l'agglomération et donc aux contribuables. Parce que non seulement nous devons payer ce qui est payé ailleurs directement par le ministère, mais par exemple, le bâtiment que nous allons inaugurer le 31, 7 millions d'euros, l'État nous a généreusement donné 250 000 euros. Heureusement qu'on avait la région et le département pour nous soulager. Alors que vous êtes à Lyon, les bâtiments universitaires sont payés totalement par l'État. Éventuellement, la région donne des compléments. Mais je veux dire, c'est la double peine. Donc on veut développer de l'enseignement supérieur. Très bien, bravo, vous faites très bien. Démerdez-vous. C'est quasiment ça, quoi. Et ça, c'est pas juste, parce que du coup, un étudiant rouennais, il n'est pas traité de la même manière qu'un étudiant parisien, aixois, bordelais ou marseillais. Mais bon, c'est aussi un choix politique, mais qui est assumé au-delà des divergences politiques. Ouais, et qui, du coup, enfin, fait que je pense que le monsieur Vermorel va pouvoir peut-être appuyer encore ça au niveau national pour... Oui, mais comme vous le savez, M. Vermorel ne fait pas partie de la majorité donc, du président de la République. Oui, j'entends bien. Mais voilà. J'entends donc, bien. M. Vermorel fera sûrement ce qu'il faut, mais je ne suis pas sûr qu'il soit davantage entendu que ne l'était sa prédécesseure qui pourtant faisait partie. Monsieur Déjà. Merci, Monsieur le Président. Le sujet est long et il est connu, mais c'est vrai que le désengagement du CROUS et du CNUS au niveau national, c'est-à-dire que à la fois les ouvertures des formations, etc., ils ne sont jamais liés avec toute l'infrastructure qui est autour et qui doit être autour. Alors, évidemment que le CROUS investit plus sur les grands centres, mais en fait, il investit... Plus il investit avec l'argent qu'il a et il y a une vraie problématique de où est-ce qu'on met en haut est-ce qu'on met cet argent là et en tout cas sur le Rouennais il a jamais investi en conséquence du nombre d'étudiants. Alors c'est pas le cas de Rouen toute seule, toutes les villes on va dire moyennes ou de cette taille ou même un peu plus grandes, que ça soit Cherbourg ou d'autres. Les collectivités sur la partie restauration et sur la partie fonctionnement investissent au service de notre jeunesse qui n'a pas les moyens d'aller faire à la fois ses études ailleurs et au service du territoire parce qu'on amène aussi un certain nombre d'étudiants. On peut faire le... Romain Bost, il a à peu près les chiffres de ce que rapportent les étudiants qui viennent d'autres territoires et qui viennent étudier chez nous et vivre et dépenser. Donc c'est un équilibre global, mais c'est vrai que c'est une volonté politique importante, mais elle est importante pour le territoire parce que c'est plutôt un cercle vertueux qui fait que à la fois le développement du territoire, la jeunesse qui est là, fait vivre aussi ce territoire-là. Mais il faut noter le désengagement de l'acteur, on va dire public, sur la restauration et le social, dans la grande majorité des villes de notre taille, et notamment sur Rouen. D'autres... Madame Raymond. Dans la question des tarifs qui ont été rapportés, des coûts qui ont été rapportés aussi, des repas, il y a deux choses qui jouent un rôle important. Il y a le système d'approvisionnement en matières premières. Je ne parle pas sur la partie service, parce que le nombre de personnes qui doivent s'occuper des repas, ça c'est presque incompressible, hein, que ce soit en cuisine ou au niveau du service. Mais par contre, sur l'achat matière, là, ça peut être assez intéressant. Et puis, et on y est sensible, en regard de ce coût et de ce tarif, il y a aussi la qualité des repas que vous avez rappelé. Et là, moi, je voudrais savoir... dans le projet de centre
de projets agroculinaires. Est-ce qu'il y est prévu dans le programme que vous allez déployer, dans les études que vous démarrez, d'acheter en commun, d'avoir une cuisine centrale commune, voilà, de travailler sur le fait de mutualiser un certain nombre de coûts et puis aussi de renforcer l'approvisionnement local sous signe de qualité, tel que le demande la loi Egalim. Alors, oui, on a déjà commencé à réfléchir à ce sujet dans le dimensionnement du projet de Notre-Dame de Boissey. Nous avons intégré la production des repas de l'hôpital dans le cadre d'une éventuelle cuisine intercommunale. Mais après, on est encore loin. Alors, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Nous sommes autorisés par l'État à mettre en place la réserve d'eau, bien, ce qui est indispensable pour pouvoir cultiver des légumes. Donc, on va pouvoir avancer maintenant. Bien, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'enseignement supérieur. Ceci étant, les tarifs pratiqués, enfin, les coûts de revient des repas de l'hôpital sont ils sont bien. Ils ne sont pas exagérés. Ils ont une bonne gestion des achats. C'est plutôt bien. La qualité des repas, c'est important pour la santé, c'est important pour l'équilibre. Mais c'est aussi ce qui fait l'attractivité du restaurant. Or, comme on a des coûts de structure incompressibles, si on perd des convives, c'est pour ça que je voulais vraiment insister là-dessus, parce qu'en fait, tout est lié, hein, y compris en termes d'équilibre financier de l'opération, et donc, du coup, pour notre collectivité. Ok. Je soumets à votre approbation cette convention. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On va donner la parole à Jean-Luc Chervin pour un avenant à la convention avec la région. Voilà, merci Monsieur le Président. Un petit rappel, puisqu'il y a quelques années, nous avons eu la compétence transport sur tout le périmètre de Roanne Agglomération. Le département qui avait cette compétence a eu en charge l'organisation des lignes voyageurs interurbaines. La loi a été modifiée, donc à l'époque nous avions une convention avec le département, c'est ce qui explique un peu la dotation, c'est ce qui explique la dotation de 1 800 000 et quelques mille euros qu'on a vu dans le budget transport. La loi évoluant, la compétence a été transférée à la région. La région, dans un premier temps, a laissé la délégation au département, puis a souhaité reprendre cette délégation. Donc c'est pour ça que maintenant, depuis quelques années, nous conventionnons avec la région. Et ces conventions portent sur ce qu'on appelle le cabotage, c'est-à-dire les lignes régionales qui rentrent dans le périmètre de Roanne Agglomération, ou l'inverse, les lignes de Roanne Agglomération qui sortent du périmètre pour alimenter d'autres communes, notamment en termes de transport scolaire. Donc il y a un règlement financier qui est fait entre la région et Roanne Agglomération. Cette convention se termine le 31 décembre 2022. Or, la région est en pleine réflexion pour avoir une harmonisation de ses échanges financiers avec toutes les autorités organisatrices de mobilité, ce qui n'est pas le cas. Et de plus, la région a une DSP avec les quatre régions pour Kivas qui se termine au 31 août 2024. Donc la région souhaite organiser cette réflexion avec la date de la fin de la DSP. C'est pour ça qu'il vous est demandé aujourd'hui de prolonger la convention qu'on a avec la région, avec les mêmes règlements financiers, jusqu'au 31 août 2024. Voilà, c'est simplement un avenant de prolongation. Merci. Pas de questions, pas d'opposition, abstention non plus. Je vous remercie. On va donner la parole à Clotilde Robin pour les règlements 2023 du PLH. Effectivement, chers collègues, un PLH 1 qui se termine, un PLH 2 qui est en cours de préparation. Les premiers comités de pilotage ont eu lieu. Et dans le cadre du PLH 1, comme chaque année, nous vous proposons de revoter les règlements qui sont réactualisés chaque année au regard des besoins et des quelques ajustements à l'échelle. Alors, peut-être quelques chiffres, puisque la délibération est, je trouve, assez bien faite. Surtout, vous avez en annexe tout le détail des modifications du règlement. Je reviendrai peut-être sur certains points. Quelques chiffres quand même pour le premier des règlements, Rénov' ton logement, règlement numéro 1. En 2022, ce sont 157 demandes qui ont été déposées pour Rénov' ton logement.
30 demandes d'adaptation, puisque vous savez qu'on peut aussi aider à l'adaptation de l'habitat à la perte d'autonomie, pour un montant global de travaux de 2,7 millions. Voilà. Pour ce qui concerne le gain énergétique moyen, il est de 34% et il y a eu seulement un changement d'usage. Voilà. 157 demandes, 114 dossiers ont été acceptés et validés et accompagnés. Rénove ton logement, les quelques modifications que je peux peut-être mettre en avant. Nous demandons dorénavant un gain énergétique minimum de 20% pour les travaux de rénovation énergétique. Et les travaux d'adaptation, nous subventionnons à hauteur de 1 500 € par poste de travaux d'adaptation, c'est le plafond. L'électricité, nous avons aussi mis en place un forfait suivant la superficie du logement. Et puis, nous revoyons cela chaque année. L'aide de 30% des travaux éligibles est plafonnée à 8 000 €. Voilà, nous avons aussi supprimé l'acompte des 50% qui était versé au moment de la notification. Nous payons dorénavant les subventions à la fin des travaux. Voilà, et puis en cas de dossier complet, de gain supérieur à 20%, d'étiquette énergétique de sortie B, nous ne le passerons pas dans notre commission, une commission qui se réunit à peu près tous les mois et demi, qui est composée de plusieurs élus qui sont ici présents ce soir, et des services. Donc, ce sera instruit directement par les services. Fusionné avec Rénove ton logement, il y a également la prime sortie de vacances. En 2022, ce sont 31 logements qui ont été subventionnés. Et depuis 2020, début du dispositif, ce sont 151 logements qui ont été remis sur le marché grâce à une prime sortie de vacances. Là aussi, quelques petites modifications sur les mètres carrés. Les logements de moins de 40 mètres carrés auront une prime de 1 000 €. Ceux de supérieurs à 40 mètres carrés auront une prime de 2 000 €. Et les deux propositions sont cumulables, hein, cumulables avec Rénove ton logement. Le budget pour ces deux règlements-là est de 400 000 euros. Nous avons ensuite le règlement numéro 2 qui est Rénove ta copro. Rénove ta copro, il y en a eu 3 cette année. C'est une subvention globale de 100 000 euros qui est proposée, 40% du montant hors taxe des travaux éligibles. Et puis bien sûr, comme chaque année, le PIG, programme d'intérêt général. Pour le coup, celui-ci, il est sous condition de ressources. Nous sommes organisés pour subventionner selon les plafonds ANA. Grosso modo, ce sont 200 dossiers qui sont instruits par l'opérateur Solia cette année. En gros, chaque année, c'est à peu près le même nombre de dossiers. 100 dossiers pour l'adaptation, 100 dossiers pour la précarité. Voilà, donc en moyenne, il y a 5 à 10% de reste à charge pour les familles en grande précarité. Voilà, donc il vous est demandé d'adopter ces règlements. Merci. Des questions ? Monsieur Besson. Oui, merci pour ces précisions. Bon, sauf erreur de ma part, j'ai pas vu d'éléments aussi exhaustifs dans le rapport de l'agglomération. Je me suis peut-être trompé. Est-ce que ces éléments les a dans le rapport annuel d'activité, de façon aussi détaillée que ce que vous venez de faire ? Il me semblait pas. Je voulais juste le vérifier avec vous. Est-ce que c'est possible de nous les transmettre ? Parce que enfin, c'est des éléments. Voilà, on voulait vous poser la question et puis nous, c'est aussi intéressant pour pouvoir se positionner sur la pertinence des montants attribués en fonction de ce qui s'est passé et des demandes, etc. Voilà, donc c'est un souhait pour l'avenir, même pour les prochaines délibérations des années suivantes, que ce soit le bilan associé. Ça nous permet de réfléchir mieux en amont. Voilà. Après, ça va dans le bon sens. Vous savez, on pense qu'il faut mettre le paquet sur la rénovation. On approuve cette délibération. Merci. D'autres interventions ? Madame Riamont. Merci, Monsieur le Président. Je vais vraiment dans le même sens que notre collègue Monsieur Besson. Dans le contexte, et on l'a déjà dit, j'imagine que ça sera possible s'il y a plus de demandes que prévu d'y subvenir au-delà de ce qui a été prévu dans le budget 2023. Parce que bon, 1 000 000 €. C'est une somme en soi, mais ça peut ne pas être suffisant. Donc, s'il y a la possibilité d'aller au-delà, j'espère qu'on pourra le prendre en compte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur les taux d'intervention dans les situations sous conditions de ressources. Dans les interventions sous conditions de ressources, la part restante à charge du foyer, elle peut être très difficile à,
à financer quand même. Voilà. Alors donc, voilà, d'être peut-être attentif à ça ou de mettre au point des systèmes qui permettent d'étaler le plus possible ce reste à charge, même s'il est de 20% par exemple, de telle sorte à ce que même les foyers les plus précaires aidés de manière supérieure puissent néanmoins pouvoir financer ce reste à charge avec quelques dizaines d'euros par mois pendant un temps donné. Voilà, donc d'avoir aussi une modalité d'intervention qui permet, y compris aux foyers précaires, d'accéder en fait à cette aide qui est bien faite, quoi. Merci. D'autres questions? Je soumets à votre approbation des votes contre, des abstentions. Madame Lougraieb, une attribution Merci. D'un fonds de concours à la commune de La Pacaudière. Oui, effectivement, Monsieur le Président, il s'agit de l'extension de la maison de santé pluriprofessionnelle de La Pacaudière pour permettre l'installation d'un dentiste. Dans ce cadre, il vous est proposé l'attribution d'un fonds de concours à la commune de La Pacaudière à la hauteur de 50 000 euros, en sachant que la dépense totale se montre à 386 280 euros, que le total des subventions se monte à 180 000 euros et que donc le reste à charge de la commune sera d'un montant de 103 475 euros 52 centimes. Et il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir attribuer un fonds de concours à hauteur de 50 000 euros à la commune de La Pacaudière pour l'extension de sa MSP. Merci. Des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Philippe Perron pour un avenant. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, donc il y a un avenant à prendre donc sur la convention avec la Chambre de commerce et d'industrie concernant donc une convention susvisée qui prévoit l'éligibilité des dépenses. Et donc dans cette convention, dans cet avenant, donc il y a 6 axes qui sont fléchés sur un tableau de financement et qui précisent le montant de la participation droit des agglomérations, donc avec un montant maximum de 20 000 euros. Et donc il est nécessaire de faire évoluer certains axes d'action initialement définis, et notamment inscrire l'étude de la zone de chalandise de Renaison en contrepartie d'une baisse de nombre de jours relatifs au volet écologique industriel territorial afin de rester dans l'enveloppe financière initiale. Donc il vous est demandé d'approuver cette convention avec la Chambre de commerce et d'industrie. Merci. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? J'ai compris ce qu'a dit Monsieur Perron, mais l'un n'empêche peut-être pas l'autre, ou voilà, c'était pas possible de faire les deux? Et qu'est-ce qu'on fait pour la zone? Enfin, pourquoi on est si accro à la zone de chalandise de Renaison? Parce que nous avons demandé à la Chambre de commerce et d'industrie et de faire une étude sur le potentiel de développement commercial de la zone de chalandise de Renaison par rapport à des projets qui sont portés par différents investisseurs, et de façon à pouvoir éclairer la décision que nous serons peut-être amenés à donner en tant qu'agglo, ou voire même SCOT. Donc j'ai bien fait de poser la question, quoi. On fait toujours bien de poser des questions. Donc j'ai la réponse. Merci. Donc je soumets à votre approbation des votes contre, des abstentions. 2. Je vous remercie. On reste avec Philippe Perron pour l'approbation de la candidature Loire au programme Leader. Leader, le soutien préparatoire au Leader. Donc nous devons effectivement prendre cette délibération donc pour ce programme. C'est un programme européen qui peut amener donc sur le territoire entre 5 à 7 millions donc, de financement, donc c'est pas rien, pour le développement rural. Et donc nous avons les territoires ruraux ligériens qui sont directement concernés. Je vais pas vous les lister, mais ça va de Charlieu-Belmont jusqu'à Vienne, Condrieu et Sainte-Colombe et Saint-Cyr sur Rhône. Il vous est donc demandé donc de prendre en compte ce programme européen ayant un impact positif sur le territoire. Les territoires ruraux ligériens s'engagent à candidater conjointement à l'appel de la candidature publiée par la région Auvergne-Rhône-Alpes
Autorité de gestion pour la programmation donc leader donc pour les années 2023 jusqu'en 2027. Et l'ensemble de ses partenaires s'engagent à collaborer au sein d'un GAL. Un GAL, c'est la gouvernance locale. Et donc, ça sera géré par Loire-Forêt-Agglomération, qui est désigné par le partenariat structure coordinatrice de la candidature. Voilà pour le leader. C'est la reconduction d'un programme européen, à la clé environ 6 millions d'euros de financement européen qui transite par la région. Et contrairement au précédent programme, la région a souhaité qu'il n'y ait qu'un seul territoire par département, en fait, que ce soit les départements. Encore que ce n'est pas tout le département, mais avant on avait le Rouennais, le Montbrisonnais, avec le Forêt, le Pilat, etc. Là, ils veulent un seul truc. Bon, ça peut s'entendre, sauf que nous avons aussi des spécificités chacun dans nos arrondissements. Donc nous nous sommes déjà entendus pour que le plus pratique, c'était que le périmètre intercommunal du Montbrisonnais, qui est un peu central au département, pilote. Et après, donc, on dépose donc une candidature commune après une grande concertation avec tout le monde. Et nous pilotons ici au niveau du Rouennais, donc c'est l'agglomération qui est un peu pilote par rapport aux intercommunalités voisines. Donc voilà, donc, l'objectif c'est de pouvoir toucher de l'argent sur des programmes qui sont surtout liés à des projets de développement agricole, des projets de développement touristique, à l'aménagement de centre-bourg dans des proportions très modestes. Est-il question des désapprobations, des abstentions? Il n'y en a pas. Toujours Philippe Perron cette fois-ci. Alors, nous devons abroger une délibération récente, hein, celle du 24 novembre, parce que nous avions fait une petite erreur. Donc, Philippe Perron va vous expliquer ça. Oui, donc, il y avait des éléments qui étaient restrictifs et imprécis. C'est-à-dire que dans cette délibération, si l'entreprise n'atteignait pas l'objectif qui a été fixé, donc dans cette délibération, eh bien, elle touchait zéro. Voilà, donc c'était vraiment contraint. Et donc, il faut qu'on abroge cette délibération pour en prendre une autre après. Parce qu'en fait, si on ne l'abroge pas, ça peut empêcher l'accompagnement d'autres projets et donc de la création d'emplois. Donc, il faut véritablement, effectivement, les services que je n'incrimine pas, que je remercie d'ailleurs, mais on ne s'était pas compris sur un certain nombre de choses. Voilà. Des questions, Monsieur Besson? Oui, merci pour ces précisions. Une proposition qu'on fait sur cette aide à l'installation, elle nous semble importante, intéressante vis-à-vis de la question de l'encouragement à l'emploi dans des conditions pérennes, etc. Donc il y a des dimensions sociales qui sont importantes et il y a des engagements, des critères qui sont bien établis pour justement pouvoir avoir ces garanties-là. On souhaiterait que la proposition qu'on vous fait, c'est que dans le cadre de ces aides à l'emploi, eh bien, on prend en considération qu'on a un double enjeu local, mais mondial, de travailler aussi sur les questions de l'urgence écologique et de la transition écologique. Et que de ce point de vue-là, il faudrait que nous puissions avoir des critères qui nous permettent d'évaluer en quoi justement les entreprises qui demandent cette aide et qui veulent s'installer sur notre territoire apportent une plus-value face aux enjeux qui sont les nôtres localement. Ça peut être la question de l'industrialisation de certains pans dans l'agroalimentaire, ça peut être dans la question de la rénovation, ça peut être dans un champ très très vaste, hein. Ça peut être des entreprises qui vont apporter les plus-values dans le cadre de la santé ou d'autres choses. Bon, ça, c'est des défis qui sont les nôtres. Et voilà, c'est quelque chose qu'on souhaiterait voir apparaître. Voilà, il pourrait y avoir aussi... ça ne va pas vous plaire, hein, monsieur Nicolin, mais des questions de bilan carbone, d'engagement à avoir une trajectoire carbone cohérente avec celle de notre territoire, etc. Voilà, c'est la proposition qu'on fait. Elle est vraiment importante pour nous. Et les deux doivent se marier pour nous. S'ils ne se marient pas, on fait l'un d'un côté et de l'autre côté, on essaie de régler la transition écologique. Mais à un moment donné, les deux peuvent se taper dedans. Et c'est tout l'enjeu justement actuel de toutes les sociétés, c'est justement de voir comment on arrive à concilier, à travailler les deux. Et bon, vous le savez, on n'a pas de la place illimitée sur notre territoire, puisque on parle de l'artificialisation des sols, etc. Il y a tous ces engagements à tenir.
Et du coup, on n'a pas 40 coups dans le fusil. Donc, il faut qu'on fasse aussi des choix cohérents vis-à-vis des implantations des entreprises, vis-à-vis de la transition écologique. Alors, je ne sais pas que ça ne me plaît pas. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à des indicateurs qui prennent beaucoup de temps, qui coûtent assez cher, pour mesurer des choses qui, au fond, n'ont pas beaucoup d'importance. En tout cas, c'est mon point de vue. On a parlé de point de vue hier soir, on redonne son point de vue. Ici, de quoi s'agit-il ? Je l'ai déjà expliqué, mais vous le verrez en plus, je pense, demain dans la presse. Une entreprise qui travaille pour le compte de grands groupes de maroquinerie de luxe devait créer sur un territoire, en Auvergne-Rhône-Alpes, 3 ateliers avec 900 emplois à la clé. Ils flèchent notre territoire. Nous sommes en compétition avec 2 autres. Donc, je reçois le PDG, nous discutons, il me fait ses demandes, je lui fais des propositions. Et pour se distinguer, se différencier et emporter la décision, nous apportons une aide qui est celle que nous validons ce soir. De quoi parle-t-on ? Là, savez-vous combien coûte un emploi rémunéré aux alentours de 2000 euros par mois ? C'est entre 30 et 40 000 euros chargés par an. Et là, on parle de 600 emplois sur le territoire de l'agglo et 300 emplois sur le territoire de Charleville-Belmont. Donc, en ce qui nous concerne, c'est 600 emplois. Et nous lui disons que nous avons mis en place, ça date de 2014, un dispositif qui permet, à partir du moment où on crée 30 emplois, d'apporter 1 000 euros une fois. Mais il faut, comme ces créations d'emplois vont se faire non pas sur 3 ans, mais vont se faire sur 6 ans, eh bien, nous devons adapter notre règlement. Et c'est le but ici. Et par contre, et c'était la différence, comme l'a expliqué Philippe Perron, c'est qu'on ne s'était pas tout à fait compris avec les services. J'espère qu'il y aura 600 emplois. Mais s'il y en a 595, on ne va pas chipoter. Mais sauf que le dispositif qu'on a voté au mois de novembre dernier, s'il y avait 595, il fallait qu'il rembourse tout. J'ai dit non, ça ne va pas passer, quoi. Donc on a décidé de reproposer au vote de ce soir un dispositif. Et donc chaque année, il y a un bilan du nombre d'emplois créés. Et chaque année, on donnera 1 000 euros par emploi créé, une fois pour toutes. Donc on parle de 600 000 euros pour aider un projet qui va investir environ 20 millions d'euros sur notre territoire. Si maintenant vous me demandez, alors qu'on a conclu l'accord avec l'entreprise, de rajouter des critères de bilan carbone, de bien-être au travail, de thé à la menthe et compagnie, je crains que l'entreprise s'agace et dise « Écoutez, vous êtes bien gentil, Arwan, mais on va aller voir ailleurs où ils sont moins exigeants. » Et quand on sait ce que je ne peux pas dire, qui sont les clients qui sont derrière, je pense qu'on s'en tire vachement bien et c'est une excellente nouvelle pour notre territoire que d'accueillir cette entreprise, quand bien même, elle va générer la construction d'un bâtiment, qui va y avoir effectivement un bilan carbone de travaux qui sera forcément positif par rapport à un prêt qu'on laisse, quoi. Donc non, je ne vais pas répondre favorablement à votre proposition. Parce que mon objectif, c'est de faire les choses le mieux possible, mais c'est surtout de les faire. Voilà. Je peux rajouter dans le monde économique, puisqu'il s'agit d'un grand groupe, en général, lorsque les groupes, voire même les moyens et les petits groupes, ils ont des clients. Et les clients sont exigeants en termes de production, et les productions qui soient françaises, et elle sera française puisqu'elle sera sur le Rouennais, ils demandent effectivement non pas du Made in China en France, mais ils demandent vraiment du franco-français
avec tout ce qui tourne autour de l'environnement, de la respectabilité des salariés notamment. Et naturellement, il y a des progrès qui sont faits. On n'est plus au temps de Germinal, on n'est plus au temps où effectivement les patrons étaient considérés avec le fouet pour faire avancer ses ouvriers. Ça, c'est terminé. Il y a des audits qui sont faits par des clients chez les fournisseurs, chez les maîtres d'œuvre, pour voir comment ils se comportent. Nous avons visité récemment une grande entreprise, notamment Michelin. Les clients viennent auditer ce qui se passe dans les usines. C'est plus le temps où véritablement on faisait ce qu'on voulait dans les usines, c'est terminé. Donc on peut, c'est même pas espéré, véritablement il y a des progrès qui se font et qui continueront à se faire parce que c'est des exigences de qualité. Et tout le côté humain en fait partie. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Monsieur Pion, peut-être. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu justement les projets d'implantation d'une entreprise qui devait fabriquer des matelas. J'étais encore à l'époque à Nexter, qui n'a jamais donné suite, vu le jour. Et les drapeaux, oui. Non, c'était par rapport à un fabricant de matelas, effectivement, oui. On a vu ce genre de choses. Est-ce que vous avez pris là toutes les garanties pour vous assurer qu'effectivement cette entreprise soit bien viable et dispose de marché, etc. Que ce ne soit pas aussi le cas, comme le cas de la SFAM, où justement il y a un local qui risque de ne jamais malheureusement voir le jour et qu'on attend depuis de nombreuses années, quoi. Alors, ce que je peux vous répondre, Monsieur Pion, c'est que si le chef d'entreprise en question en était à son coup d'essai, vous avez raison, on serait méfiant. Ce n'est pas le cas. C'est une entreprise qui a déjà de nombreux ateliers semblables à ceux qui vont venir ici. Et pour des clients qui ont une réputation également très forte. Donc, je ne peux pas aujourd'hui mettre en doute donc, la volonté et le sérieux donc, de ce projet. Après, nul ne peut venir lire dans l'avenir. Hein. Il y a, je vous donne un exemple qui ne nous concerne pas, mais certains gouvernements ont voulu, on pensait même que Alstom allait disparaître. Et puis il y a un autre gouvernement qui, au contraire, s'est dit que ça serait peut-être une erreur que de le faire disparaître et qui a recapitalisé l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un fleuron industriel mondial. Voilà. Donc tout peut arriver. Et on peut avoir effectivement de bonnes surprises comme de mauvaises. Mais quand on a un projet comme celui-ci, je veux dire, honnêtement... Je demande juste à M. Trier de ne pas noter ce que je vais dire. Nous allons effectivement apporter, si tout va bien, à cette entreprise 600 000 euros. Et nous allons lui vendre du terrain 20 000 mètres à 45 euros le mètre. Faites le calcul. Quel est le risque que l'on prend? Tout est dit. Monsieur Besson. Bon, un mot simplement pour réagir suite à vos interventions. On ne tombera pas d'accord, hein, on a compris. Pour nous, on le sait depuis le début, mais je vous demande. Ouais, mais je vous demande, on est d'accord. Je vous demande, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Je vous demande quand même de réfléchir vraiment à ce sujet-là, parce que la lecture qu'on fait, c'est que les enjeux actuels, à la fois en termes d'adaptation, de réindustrialisation du territoire, d'un point de vue de l'autosuffisance du territoire dans un monde qui va devenir, déjà en partie, nous le savons, instable, avec, on a connu la guerre, épidémie, etc., pandémie, il peut se passer plein de choses. L'espace sur notre territoire et notre travail sur le territoire, il doit s'engager, c'est notre lecture.
vers un travail collectif extrêmement important, un projet collectif extrêmement important qui est focalisé sur la transition écologique et sociale, dans laquelle il y a des emplois, beaucoup d'emplois à créer, il y a beaucoup de travail qui va être nécessaire pour faire ça. Et les espaces qu'on prend sur nos territoires pour d'autres enjeux, c'est des espaces qu'on a à un moment donné plus pour justement ce travail-là. C'est la réflexion qu'on se fait. Et j'entends bien, monsieur, que oui, les entreprises, elles vont fabriquer du luxe de façon plus éthique que ce qu'elles faisaient. Pas que le luxe. Non, j'entends bien que les entreprises, c'est pour ça que je vais le généraliser justement, parce qu'on est parti de là. D'ailleurs, on empiète un peu sur la deuxième délibération en parlant spécifiquement de ce cas-là. Mais les entreprises améliorent leur performance. Et là, on va retomber dans la discussion qu'on a déjà eue sur la question de l'amélioration des technologies, des performances matérielles en ce qui concerne la transition écologique. Et ça, malheureusement, derrière ces améliorations-là, ça ne change rien au constat qu'on ne répond pas aux enjeux de déconsommation, de changer notre rapport à l'économie. Et c'est un problème de fond qui fait que... même si on fabrique là du luxe, mais là des voitures de façon beaucoup plus performante, etc., des voitures ou des avions, que sais-je, c'est pas une voie qui a su, même si on le fait de façon beaucoup mieux qu'avant. En tout cas, c'est notre opinion. Et je fais cette focale-là parce que vous avez fait vraiment la focale sur la question de l'emploi. Mon propos était plus lié à cette partie transition écologique et sociale. J'en reste là. Je soumets donc à votre approbation la délibération numéro 27. Madame Riamond. Allez-y, mais on n'est pas obligé sans cesse de... Moi, j'adore les débats philosophiques, mais il y a beaucoup de lieux pour le faire. Si dans un conseil, on ne peut pas débattre des sujets comme ça. Pas de la philosophie, c'est l'application concrète de l'orientation de notre territoire. Non. À ce moment-là, demander la fermeture de Michelin, je sais que vous ne vouliez pas même demander à un expert d'arrêter de fabriquer des armes, c'est très bien. Il y a la question de l'existant et la question de ce qu'on envisage pour le futur aussi. Je pense aux familles qui vivent sur ce territoire et qui ont besoin d'emploi. Vous pensez effectivement aux arrière-petits-enfants à venir, très bien. Et on nous essaie avons aussi une urgence immédiate à gérer. Et on essaie de le concilier avec l'emploi. C'est un vrai débat, c'est pas de la philosophie. Si vous permettez, c'est moi qui donne la parole, vous ne la prenez pas automatiquement. C'est Madame Riamond qui la prend maintenant. Merci, Monsieur le Président. Ça sera très rapide. Toute ma vie professionnelle et ma vie d'élu a été consacrée à défendre l'industrie de production dans le respect de la santé, sécurité au travail, de la protection de l'environnement et des normes édictées dans notre pays. Donc, je considère que le projet que vous avez accompagné et que vous nous demandez de voter ce soir répond à cet objectif. Et donc, nous n'aurons pas d'état d'âme pour voter ces deux délibérations. Je vous remercie. Les votes contre ? Deux votes contre. Et donc, j'imagine, pas d'abstention. Également, cette fois-ci, la convention financière avec la manufacture rouennaise de maroquinerie pour Philippe Perron. Je crois qu'on en a bien parlé, puisque 1 000 euros pour l'attribution d'une subvention de 600 000 euros maximum à la manufacture rouennaise de maroquinerie. Et préciser que cette subvention sera versée annuellement au gré de l'accomplissement du programme d'emploi dans un délai de 10 ans accompagné à compter de la signature de la convention de financement d'aide à l'immobilier d'entreprise. Préciser que le montant de la subvention attribuée sera réajusté si le nombre d'emplois annoncés n'était pas atteint ou pérennisé. Voilà donc pour cette délibération numéro 28, Président. Si, même vote. Ah, encore un mot. On n'a pas tout dit. Je vous assure, si vous n'êtes pas en conseil communautaire pour parler, à mon sens, ça ne fait pas... Non, pardon, mais on a le droit à la parole qui est légitime dans une instance comme ça. On est là pour s'exprimer. Il n'y a pas d'autres espaces pour nous pour le faire sur des sujets comme cela. C'est important. Ok, vous pensez que... Tenez, ça va vous coûter 5 minutes de votre vie. On parle d'enjeux qui engagent, de mon point de vue, des milliards de personnes. Je pense qu'on va pouvoir le prendre. Je vais faire très court, simplement pour dire que du coup, la délibération, telle qu'on lit les choses, la délibération précédente pour nous, elle était d'ordre général de l'organisation de cette aide à l'emploi. Nous sommes contre sur le principe, puisqu'il n'y a pas l'intégration de cette dimension qui nous semble fondamentale. Sur cette délibération-là,
Nous considérons que nous n'avons pas les éléments pour juger justement la pertinence de cette entreprise, même si nous émettons des doutes vis-à-vis du fait que c'est une entreprise de luxe et que ça ne nous semble pas forcément si pertinent que ça. On s'abstiendra sur cette délibération. Donc, pas de vote contre et deux abstentions. Et donc, une troisième délibération sur la manufacture rouennaise de maroquinerie. Philippe Perron, cette fois-ci, c'est un engagement d'exclusivité. Exactement. Donc, la demande de la manufacture rouennaise de maroquinerie porte sur l'engagement de Rouen Agglomération de ne pas permettre l'installation sur tout terrain ou locaux dont elle a la maîtrise de manière directe ou indirecte d'une activité concurrente de celle de la manufacture rouennaise de maroquinerie. Donc, ça peut s'entendre, puisque nous acceptons sur nos terrains, hein, maintenant, une entreprise concurrente pourrait venir s'installer sur un terrain privé. Ça, on ne pourrait pas l'empêcher, mais sur l'agglomération, on accepte pendant 10 ans de ne pas mettre d'entreprise concurrente. Pourquoi cela ? Eh bien, comme ils vont avoir de la main-d'œuvre qualifiée, qu'ils vont former, et qu'une formation coûte cher à une entreprise, il y a donc des entreprises qui arrivent sur un territoire, ce qu'on appelle la politique du coucou. Hein, on vient et on se met dans le lit d'un autre, et puis on aspire les collaborateurs en mettant un petit peu plus cher sur un salaire, et puis voilà, on se retrouve dépouillé. Donc on ne veut pas effectivement faire la politique du coucou, et on accepte donc pendant 10 ans de ne pas proposer à une entreprise concurrente de venir s'installer sur les terrains de l'agglo. Voilà, Président. Merci. Question ? Vote ? Une question ? J'observe, Monsieur le Président, qu'en me donnant la parole, vous ne préjugez pas de ma question comme vous l'avez fait précédemment. C'est pour ça que je tenais à ce que les choses soient très claires dans nos votes. Sur ce sujet-là particulièrement, nous voterons aussi cette délibération. Je voulais savoir si dans l'accompagnement apporté à cette entreprise, notre collectivité envisageait d'intervenir dans le domaine de la formation des futurs salariés, puisque ça sera, et on le voit dans cette clause en particulier, un élément déterminant à la fois de réussite de l'entreprise et de pérennité de son implantation. Pouvant être utile et que l'entreprise en a besoin, pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr que ce soit ça la réponse. J'entends ce que vous dites. Mais vous à vous ce stade, l'entreprise n'a pas manifesté de souhait. Ils ont leurs propres écoles de formation. Mais si demain, elle souhaite élargir cela et nous demander une agglomération, comme on le fait dans d'autres domaines de formation, d'intervenir, nous y réfléchirons. Et on en reparlera ensemble et on prendra des décisions ensemble. Mais à ce stade, on n'a pas de sollicitation. Je soumets donc cet engagement d'exclusivité à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? Deux, des abstentions. Je vous remercie. On va terminer de façon plus légère. La dernière délibération parle de musique. Légère. Bonsoir. Alors, oui, il s'agit d'accorder une subvention exceptionnelle aux écoles de musique que nous soutenons, les quatre écoles du territoire. Je vous explique brièvement pourquoi, parce que ces écoles ont des professeurs. Ces professeurs, donc, c'est un volet RH qui compte à plus de 80% donc, sur le budget total des écoles de musique. Et il se trouve que ces écoles de musique conventionnent donc avec... elles ont une convention qui s'appelle la Convention nationale Éclat, et qui fait que cette convention nationale a augmenté de façon assez importante cette année, puisque ça concerne, c'est une augmentation de 6% sur l'année 2022, et que de fait, donc, les professeurs qui sont sous cette convention auront donc une augmentation de 6%. Nous avons été alertés par certaines des écoles de musique qui nous ont donc... soumis le fait qu'elles avoir des difficultés financières. Et donc, pour anticiper ces difficultés, nous allons, cette fin d'année, leur accorder une subvention exceptionnelle que je vous propose ce soir de voter. Donc, pour Riorges, cela correspond à 4 623 euros. Pour le Gamec, 4 540 euros.
Pour Musicor à Lantigny, 2374 euros et pour la PACO, 1463 euros, soit une enveloppe exceptionnelle globale de 13 000 euros qui se rajoute de fait aux subventions que nous accordons de toute façon aux écoles de musique, mais qui leur permettra de tenir un petit peu plus le choc face à cette augmentation des salaires de 6%. La PACO d'hier et d'aujourd'hui. Des questions sur la musique? Ah, monsieur Néjar, faites passer le micro. Merci, monsieur le président. Juste pour comprendre, donc cette subvention exceptionnelle, c'est pour l'année 2022, puisque l'augmentation de salaire a certainement déjà eu lieu. Et donc, forcément, pour l'année 2023, ces augmentations de salaire, si on les rajoute, vont être quand même là. Alors, est-ce que de subventions exceptionnelles, on a un autre travail sur les subventions? Mais en tout cas, si on le fait que sur une fois, les salaires, eux, ils ne baisseront pas. Alors, je ne veux pas m'avancer sur les réflexions, effectivement, qu'on aura sur 2023. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va rencontrer à nouveau toutes les écoles de musique. Que nous avons une convention triennale qui nous unit. On a toujours dit qu'on serait souple sur cette convention selon les difficultés qui allaient être celles des écoles de musique. Là, on parle de la convention éclat. Il va y avoir aussi des problèmes liés au fluide, même si l'agglomération les prend à sa charge. Il y aura de toute façon effectivement d'autres difficultés et on sera à l'écoute de ces difficultés-là. Donc sans m'avancer, il y aura de toute façon des discussions qui auront lieu. Oui. Donc oui, subvention exceptionnelle, vraisemblablement décision modificative du budget pour rehausser effectivement la somme en milieu d'année. Sur cette subvention exceptionnelle, des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je dois annoncer que les communes concernées par la remise d'un kakémono du département doivent le récupérer auprès de Nathalie Goudorme, les kakémonos étant à l'entrée. Par ailleurs, nous avions pensé à vous alimenter en papillotes et en clémentines, mais pour ne pas avoir à faire le ménage, vous prendrez un petit sachet et vous irez le consommer chez vous. Sinon, il fallait inviter un japonais. Un sachet par personne, pas plus. Et c'est pas dans un sac en cuir, c'est un sac en papier. Madame Riamon, ne vous levez pas, c'est pas fini, j'ai pas levé la séance. Il n'est que 20h50. Madame Riamon, vous avez récupéré le micro de la part de monsieur Néjar, le voici. Je me suis engagée à vous poser la question par rapport à plusieurs habitants qui m'ont posé des questions concernant l'implantation des nouveaux containers et la rénovation du service d'ordures ménagères. Donc, il aurait été dit qu'il n'y aurait plus d'apport volontaire en déchets verts, en déchetterie. Non. C'est ce qui me semblait, mais je voulais quand même l'entendre de vous-même ou des élus concernés. Donc, c'est faux, très bien, et comme ça, tout le monde le saura. Oui. Et la deuxième chose, mais je pense que vous avez aussi des retours dans vos communes, c'est pour un habitant qui s'absente pour des congés ou X ou Y, qui ne sort pas sa poubelle, ça fait un mois d'écart pour le passage de... Et donc, je ne parle pas de la poubelle des emballages, qui a de la place quand même, là, dans les containers qui sont distribués, il y a pas mal de place dans ces poubelles, mais par contre, c'est pour la poubelle qui convient de l'organique, enfin, la poubelle d'ordures ménagères. Et donc, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a plus d'apport volontaire possible. Il n'y a jamais d'apport volontaire pour les déchets. Il n'y aurait pas ménagers. D'apport volontaire possible en déchets ménagers en nulle part. Sauf à aller dans les containers enterrés, mettre son sac, mais. Donc c'est ça. Voilà. Je me permets de. Ça range avec un voisin. Voilà. Mais j'imagine que. La solidarité de voisinage. D'accord. Non, mais j'imagine que ce sujet est arrivé dans plusieurs de vos communes. Et Madame le maire de Coutou, d'ici les pas, il fait pas de déchets non plus. Mais bon. Bah, il peut en avoir eu d'une fête précédente. Ou... Voilà. Ok. Mais merci de votre réponse. Et science, monsieur le président. Pas d'autres questions? Si, monsieur Besson. Ah. Moi, je suis bien avec vous, c'est pour ça.
Mais nous aussi. Pas tout le monde, visiblement. Bon, non, je fais très très court. Au dernier conseil communautaire, vous savez, et, enfin, je sais que vous avez fait encore, on a parlé Coupe du Monde. Ah oui. Alors, monsieur Besson, je voulais vous dire qu'ici, à cette table, nous avons parié en disant, va-t-il poser la question de l'écran géant? Mais je sais, parce que monsieur Fréchet m'a donné un intéressement sur le fait que je pose la question. Voilà. Donc, quelle est votre question? Donc, ma question, elle est simple, c'est que la dernière fois, vous aviez en fait retenu un double discours qui était de dire... J'ai botté en touche la dernière fois. Bah, vous n'avez pas botté en touche, j'avais d'abord dit je ne prendrai pas la décision pour l'Assemblée, et puis j'ai demandé d'avoir un vote de tendance, et au final, vous avez dit je ne soumettrai pas au vote. Exact. Donc, du coup, il y avait une sorte d'ambivalence, et là, c'est, je vous retends la perche en disant peut-être que vous avez répondu un peu trop vite, et que là, on pourrait confirmer que tout le monde est d'accord, ou qu'il y a une majorité entre nous, ok, pour cette diffusion, vous avez décidé seul la dernière fois, sans vote de tendance. Voilà, c'est ma proposition que je fais. Peut-être la différence entre vous et moi, c'est que je sais ce que pense la majorité d'entre nous. En tout cas, je m'en doute. Maintenant, je veux bien faire un vote indicatif. Quels sont ceux qui seraient contre que nous organisions un écran géant scarabée pour la finale? 2, 3, 4, 5. Non, mais deux. Voilà, contre. Donc, j'imagine que ceux qui ne se sont pas exprimés sont favorables. De quoi s'agit-il? Moi, je veux dire, d'abord, vous avez vu qu'hier soir, nous n'avons pas fait partie de ceux qui étaient derrière leur écran, puisque nous travaillions au conseil municipal. En ce qui me concerne, je n'ai pas regardé le match. Voilà, ça vous concerne, vous. Je n'ai pas regardé le match sur mon portable, et je me suis contenté d'avoir les alertes sur les buts. Bien. En plus, si vous saviez la considération que j'ai pour le foot, j'y connais rien, donc ce n'est pas ma tasse de thé. J'aurais préféré un bon match de tennis ou un bon match de basket. Mais il faut reconnaître que, après tous les appels au boycott, voir que vous avez 23 millions de spectateurs derrière leur écran hier, à un moment donné, il faut reconnaître que c'est populaire. Et à partir du moment où c'est populaire, c'est positif. Il y a beaucoup d'entre vous défendent des positions populaires. Ben pour une fois qu'on a quelque chose de populaire, ne boudons pas notre plaisir. Ce qui n'empêchera pas demain, après-demain, de critiquer l'organisation, les conditions de travail, ceci, cela, voire même les modes d'attribution de certains événements dans des considérations écologiques qui sont aberrantes, et ça, on est bien d'accord pour le considérer. Mais au-delà de ça, une fois que c'est fait, bon, il y a une vraie ferveur populaire. Et je pense que si les Français peuvent se sentir bien à l'approche de Noël avec un beau match, qui plus est peut-être couronné par une victoire, eh bien, ça ne valait pas la peine d'empêcher ces Français, en tout cas ces Rouennais, de pouvoir profiter, de se retrouver ensemble au chaud pour regarder le match au sein du Scarabée. Tout cela a un coût, je le dis ici, je ne sais pas si Emmanuel Demont est là. Quel est le coût, monsieur Demont, de cette opération de 12 000 euros. C'est la réservation du Scarabée, ce sont les droits télé auprès de TF1, c'est la sécurité aussi. Et donc, la Rouennais Agglomération offrira aux Rouennais, pour 3 100 places, donc la possibilité de visualiser donc, ce match. Mais c'est une fois tous les 4 ans, et on a la chance, effectivement, d'y être deux fois en 4 ans, ce qui est assez exceptionnel. Monsieur le maire de Saint-Alban-les-Eaux, qui est un fan de rugby, il va quand même dire un mot. Oui, alors pour ceux qui ne sont pas intéressés par la Coupe du Monde, et j'en fais partie, à la même heure, dimanche, à Saint-Alban, vous avez des chants de Noël. Donc, vous êtes tous conviés. Et c'est gratuit. Alors, je sais que c'est un sujet qui fait débat, mais honnêtement, je pense qu'il y a une majorité qui se dégage pour pouvoir effectivement faire cela. Un mot, monsieur Besson? Oui, c'est une majorité nette et je ne vais pas répondre à tout votre argumentaire parce que je suis bien sûr en désaccord. Nous sommes en désaccord vraiment profond avec toute l'analyse que vous faites. On prend acte de la responsabilité que prend le conseil communautaire. Il y a... Non, mais c'est tout. Moi, c'est ce que je voulais savoir. C'était savoir c'est qui pensait quoi. Et on sait que votre décision, elle est validée par une très grande majorité de l'Assemblée. On en prend acte. Je vous remercie. Bonne fête de Noël et à l'année prochaine.